pain, soit le maître dans ces temps. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, j'avais promis qu'on devait avoir l'enseignement sur la continuité de la gloire, mais les temps et vie, l'importance de ce que nous voulons faire maintenant, cela ne va pas me permettre de continuer l'explication de la loi. Je vais revenir sur l'explication de la loi après. Mais aujourd'hui, je vais faire l'exposé, vous expliquer des choses très 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 importantes et très capitales. Avant de reprendre ce qui est écrit sur les tableaux, je veux que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Écrivez tout d'abord la doctrine. Deux points. La doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des enseignements des préceptes donnés. Doctrine des alliés, ensemble, c'est-à-dire, pourquoi j'insiste comme ça? Parce que je vais faire un partage, vous enseigner sur l'essentiel de la foi, les choses que vous avez récites. Parce que beaucoup de gens prient, ne savent pas la doctrine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est réellement la doctrine? Parce qu'on nous pose toujours des questions, la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est enseigné, l'ensemble des préceptes là, l'ensemble, on appelle ça doctrine. Mais vous devez retenir une chose, parler de la doctrine peut avoir plusieurs significations, peut avoir plusieurs sens, c'est-à-dire combo mon combo, phrase mon combo, mon combo le co, la doctrine, ça peut avoir plusieurs sens, plusieurs aspects. Je vais vous donner quelques détails parce que j'ai des questions à répondre, raison pour laquelle je voulais un peu vous donner le soubassement ensemble et à Makabo Boutini. Nous allons lire, nous prenons directement Matthieu chapitre 7, verset 28. Matthieu chapitre 7, verset 28, il est écrit, je lis rapidement. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Ici, j'explique la doctrine comme l'enseignement. C'est-à-dire, quand Jésus a terminé de parler, d'enseigner, toute la foule fut frappée de sa doctrine. Là, j'explique la doctrine comme l'enseignement, c'est-à-dire l'idée. Yamon a même mis un mot doctrine. Je recommence doctrine comme l'ensemble, c'est-à-dire que comme chaque doctrine, l'islam a sa doctrine, je dois vous dire doctrine, et Zakaka est assemblé de sainteté. Chaque religion a sa doctrine. Chaque courant a sa doctrine, parce que beaucoup de gens peuvent faire des débats. Comment ils parlent de la doctrine? La doctrine, ce n'est pas un mot seulement, uniquement, pour les assemblées de saints. Non, la doctrine, c'est l'ensemble des enseignements. C'est-à-dire que chaque doctrine, disons, chaque mouvement a sa doctrine. Alors, nous entrons maintenant dans les détails. La première des choses, j'explique la doctrine comme l'enseignement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 28, nous avons vu, quand Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. C'est-à-dire la foule fut frappée de son enseignement. Ok, okay. Amen. La doctrine, c'est l'enseignement. Pourquoi j'ai commencé là-bas? Parce qu'il y a des débats tout autour de la doctrine. Les gens ne savent pas la doctrine, c'est quoi? Les gens confondent leurs raisonnements, leurs pensées à la doctrine. J'ai commencé à vous faire comprendre tout d'abord que la doctrine, c'est l'enseignement. Nous ajoutons Marc chapitre 1, verset 27. Marc chapitre 1, verset 27, le texte dit ceci. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine.
Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Je fais la démarche petit à petit pour faire comprendre que la doctrine, tout d'abord, c'est l'enseignement. Et la doctrine, c'est aussi la façon de faire. Est-ce qu'on me comprend bien? Doctrine des réalités à terme, les appels au lingé à Kosala. C'est-à-dire que Yesu, dans ma tête, façon à y arrêter en autorité, et à Kosala, les gens étaient frappés. Ça, c'est quelle doctrine? J'aimerais que vous me suivez très bien. Doctrine, c'est l'enseignement. Doctrine, c'est aussi la façon de faire. C'est-à-dire que Yesu, dans ma tête, à ma tête, tu vas qui frapper la doctrine, peut-être qu'on te yazo sale. La façon de faire aussi, ça fait partie de la doctrine. Nous ajoutons, nous avançons parce que j'aimerais vous donner un peu les moindres détails. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 18, verset 19. Jean, chapitre 18, verset 19. Jean 18, verset 19. Jean 18, verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Je vous fais comprendre que la doctrine, c'est l'enseignement. C'est aussi la façon de faire. C'est-à-dire que Jésus a été jugé à cause de sa doctrine. Et cette doctrine-là, c'était l'enseignement qu'il a amené. Et cet enseignement était étrange. C'était autre par rapport à l'enseignement qu'il a trouvé les pharisiens en train de faire, de vivre. Donc, je reprends. La doctrine, c'est l'ensemble des enseignements donnés, des préceptes, des ordonnances. La doctrine, c'est l'enseignement. La doctrine, c'est aussi la façon de faire. Est-ce que vous me suivez très bien? Ok. J'aimerais que vous suivez ça très, très, très bien. Maintenant, j'avance. C'est pas pour rien, je vais lire beaucoup parce que c'est un enseignement, c'est comme les ABC. Voilà pourquoi je dois beaucoup lire. Nous ajoutons 1 Timothée chapitre 1er, verset 10. 1 Timothée chapitre 1er, verset 10. 1 Timothée chapitre 1er, 10 verset, il est écrit. Commençons même par le verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parasites, les meurtriers, les débauches, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Maintenant, il y a la doctrine, il y a la sainte doctrine. C'est-à-dire, quand on parle de la doctrine, on parle de l'enseignement. Il y a aussi la sainte doctrine, c'est-à-dire, doctrine, il y a solo. Les témoins de Jéhovah ont leur doctrine. Les branhamistes ont leur doctrine. Les catholiques ont leur doctrine. Mais il y a aussi la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la véritable doctrine. Donc, au-delà de toutes ces doctrines-là, il y a maintenant la sainte doctrine que les apôtres ont enseignée. Est-ce qu'on me suit très bien? Parce que beaucoup de gens me posent des questions, doctrine, doctrine, doctrine. Raison pour laquelle j'ai voulu vous donner un peu quelques détails sur la doctrine. Alors, cette doctrine-là, ça devient le règle, les commandements, les mots d'ordre pour un peuple et dans chaque dispensation. C'est-à-dire, doctrine aux alités, doctrine aux façons à battre, à ça, la paix, à obika. Ils ont négé mon côté dans l'église Nyonso. Ils ont négé mon côté dans ma religion Nyonso. Mais nous disons, doctrine, il y a ma potre, tout béni, il y a mon saine doctrine. Est-ce que vous me suivez? Alors, maintenant,
Prophète Joël, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Je vais tout d'abord vous faire comprendre comment est-ce que Dieu marchait avec les gens. Il y a un verset que, presque dans mes prédications, je reviens là-dessus. Dans Exode chapitre 19, verset 4 jusqu'à 5e verset, je l'ai toujours dit, mais il faudrait qu'on le lise pour que vous ayez un peu la pensée de ce que nous voulons vous enseigner. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Le verset 4 jusqu'au 6e verset. Vous avez vu ce que je fais en Égypte et comment je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à toi, est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Israël est délivré de l'Égypte, arrivé dans Sinaï. Dieu insiste maintenant. Paul en a très bien. C'est-à-dire Israël doit maintenant écouter les paroles de Dieu et marcher avec ça. D'emblée, la doctrine pour la maison d'Israël, c'était les lois que Dieu avait données. Je reprends. Israël, ma mère, au lien, il y a Israël va mander au bal à la batunion sauter. Israël va mander au sang et la nénie à batunion sauter. Et là, on est de ça la différence. C'était la loi que Dieu leur a donnée dans Sinaï. Maintenant, cette loi-là a différencié Israël et les autres nations. C'est-à-dire, désormais, Israël devient un peuple à part par rapport aux autres nations parce que Dieu leur a donné la loi qui faisait la différence entre Israël et les Philistins. C'est-à-dire Israël, Kolia Nabango, Kolata Nabango. Et c'est là qui est différent d'Abiko le Moussousou à cause de la loi Onzambabé Sakimango. C'est là où je vais vous faire comprendre comment est-ce que la doctrine et l'enseignement, la doctrine et la mise en pratique. Maintenant, Israël se sépare des autres nations. Vérifions un texte, s'il vous plaît. Bon, on ne le lit pas parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Quand Balaam vient pour maudire Israël, attends le peuple, on a besoin de merde, on a part. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre Israël et les autres peuples? C'est la loi que Dieu avait donnée, et cette loi-là les a séparés des autres nations. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, nous prenons un texte. Là, on entre maintenant dans des choses un peu sérieuses. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 10. Soulignez bien ces versets. Jean 1er verset 17. Car la loi est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors suivez-moi parce que j'ai parlé de la doctrine comme l'ensemble des enseignements, j'ai parlé de la doctrine comme la mise en pratique. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quand il enseignait, les gens étaient frappés de sa doctrine. Donc quand la doctrine est allée, la doctrine est allée à Koussal et la Litéa. Dans le monde, il y a la doctrine mêlée. Église, l'église, mouvement, le mouvement, dans la doctrine, mais il y a la seule doctrine. Ce qu'on a mis quand il a pris Israël de l'Égypte, en commun à la Sinaï, Dieu leur donne la loi. Et cette loi-là, et comme il y a la doctrine, donc Moïse pour manger, Moïse pour se vêtir, Moïse pour prier, Moïse pour faire ceci, maintenant que ça là, qu'on a un précepte et ma loi na main. C'est-à-dire que pour Israël, c'était ça leur doctrine. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, le texte dit que la loi est venue par qui? Moïse. Par Moïse.
La loi est venue par Moïse. Là, je suis dans Sinaï. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus. Maintenant, avant Moïse, c'était quoi? Si la loi est venue par Moïse, maintenant, avant Moïse, c'était quoi? Évangéliste, lis un peu Romains chapitre 7. Romains 7. Je vais vous donner quelques détails là et ça sera très important pour que vous compreniez. Bon, nous avons reçu trop de questions sur la doctrine. Raison pour laquelle j'insiste pour que vous ayez un peu l'idée. Romains chapitre 7, verset. Commencez par les 6-7 versets. Allons-y. Romains chapitre 7. Allons-y. Septième verset, nous lisons. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. On connaît le péché par quoi? Bon. Je vais vous enseigner. Merci, évangéliste. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas les péchés, n'est-ce pas? Éric, suivez! S'il n'y a pas les péchés, il n'y a pas la loi. J'ai connu les péchés par la loi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas les péchés. C'est-à-dire que quand on parle du péché, c'est qu'on parle de quoi? C'est la loi qui est venue ouvrir les yeux qu'il y a des péchés. Est-ce que avant qu'Adam mange le fruit et sa femme, ils étaient nus, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils avaient découvert qu'ils étaient nus? Mais en mangeant les fruits, ils ont découvert. Ils étaient déjà nus. Mais pour comprendre cette nudité, il a fallu que les serpents viennent enseigner l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que pour contre le péché, il a fallu la loi. Mais la loi est venue par qui? Moïse. Alors, avant Moïse, c'était quoi? C'était pas la loi. Donc, s'il n'y avait pas la loi, c'est que le péché ne pouvait pas exister. Donc, moutou poissou mouka, il faut mouber kouéza. Son mouber kouéza de moutou poissou mouka. Ce que son mouber kouéza na Moïse. Ce qu'on dit, bon, soit à Moïse, c'est que les sous-moïs allaient quitter. Ce qu'on soit les sous-moïs allaient quitter, mon bien que ce qu'on est à Moïse, c'est que grâce à Yéna, grâce à Yéna, pour moi, David, quand on a sorti, et c'est mon amour, on a battu à un sous-moïs à Yéna. Grâce à Yéna, quitter. Je veux dire qu'il y a la loi parole éternelle, il y a la loi dispensation. Il y a la grâce par. C'est-à-dire que Yesu a yéna ngolu. Et l'ingolo bate qu'avant Yesu, ngolu est à la guité. Ngolu est à la guité, mais ngolu est comme il y a nos dispensations. Cette dispensation, elle est dans la seconde. Le lépé a battu à Bobi Kate. Mobeko est à la qui avant Moïse a yéna na Mobeko. Mais, Mobeko le col à l'ité et à Moutoye na Moïse à Moïse. Est-ce qu'on les comprend bien? Je vous donne la pensée. D'où vient la notion de la doctrine? C'est-à-dire, Israël Zambé, tiens qui arbre de connaissance du bien et du mal. Alors, ils sont immolés au Koufa. C'était déjà la loi. Mais cette loi-là, Israël qui est dans nos dispensations, c'est là où je parlais de la commis conscience. C'est-à-dire, avant mon père, Eko mama nama naba naba rulo naba mabanga mobe kozaki déjà na mitema ya bato. Donc mutu nyonso azokotama, même si n'a pas écouté la parole, dans son cœur il y a la loi comme conscience. Même les gens qui n'ont pas écouté la parole, mais dans leur cœur il y a la loi de la conscience. Même par contre la biso ya kala, même bato na sape la kate lokuta. Dans leur cœur, Dieu a écrit la loi comme conscience. C'est-à-dire, d'emblée, je dis qu'avant que la loi soit manifestée par Moïse, le premier temps, c'était le temps de la conscience. C'est-à-dire,
Kanga, ba Abraham, ba Isaac, ba Jacob, ba Monyoso, ba vivaki na tango ya conscience, mais c'était toujours la loi, mais loi wana et comment maki na bitema na bango. Est-ce que je peux avancer? Alors, quand Moïse arrive, Dieu maintenant manifeste la loi en trois parties. Il y a un, les dix commandements. Les dix commandements. Il y a les lois morales et civiles. Il y a la loi sacerdotale. C'est-à-dire, Moïse ne pouvait, ici, je vous donne, comment, n'est-ce pas, nous peut assembler les symboliques ici. Je veux que vous compreniez bien, c'est-à-dire, Zambé, à quoi côté qu'il y a un été, battant pour le coup la matinée, après ça, il y a un moment qui régissait tout. Remarquez comment est-ce qu'Israël était. N'est-ce pas, dans la Cape Town, mon yu d'agneau, ce n'est pas que ceux qui ne campent comme lié, il faut qu'il n'est pas avancé. N'est-ce pas, il faut la police, tout comme ça. Maintenant, les anciens là, juger Israël par rapport aux lois que Dieu leur avait données. Donc, pour la maison d'Israël, la doctrine pour Israël, leur vie, l'enseignement. Donc, leur vie était réglementée par la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Exemple, pour se marier, même le prix de la dot était fixé par la loi. Parce qu'en Israël, on ne pouvait pas épouser une femme qui est des vierges. En Israël, on n'épousait que des vierges et les prix étaient déjà fixés. C'est-à-dire, en Israël, tout, Kolata, Kobala, Kolia, c'est-à-dire, pour mon lieu d'aller à Missi, il faut attendre soit dans les cailles, soit dans la nageoire. Parce que Missi, on est allé représenter par moi Israël. Par moi, il y a Mobeko, vous avez le Kola, dans les cailles, dans la nageoire, ou dans le Kokai, Kosam, et la Mazam, et nous sauter. Mais nous sommes du corps, nous sommes des qualités, nous sommes des nageoires, Zambia pour Toké, Zambia pour Toké, Zambia. C'est-à-dire que Dieu avait donné cette loi comme doctrine, comme commandement, comme la vie des enfants d'Israël. Ok? Amen. Et si Israël a refusé Jésus-Christ, c'est parce qu'il tenait ces lois-là. Je vous donne un petit exemple. La loi disait, par exemple, que mon collègue a sabbat au salade. Mais il y a ce qui dit que ça va tout mon collègue a sabbat. C'est-à-dire, en tout cas, mon toyo, à l'intérieur de la Moïse. C'est-à-dire que la loi, alors que quand Jésus-Christ faisait comme ça, il ne contredisait pas, mais il donnait l'explication. Que je vais vous donner la pensée tout à l'heure. Raison pour laquelle Israël, pour eux, et l'homme de Sarah qui va être différent des autres nations, c'était la doctrine. C'est-à-dire Israël n'a qu'au bout d'un temps. Mikolo Moïse au salon avant qu'il n'y ait un temple. Lévitique chapitre 12, c'était réglementé par la loi. Libal réglementé par la loi. Tout réglementé par la loi. Kolata réglementé par la loi. Mon yu d'avoir le matin qu'à l'attica en déna l'outé. Mon bébé qu'on a maman et pensa qu'il n'a n'y a boulata, n'a n'y a boussambela. C'est-à-dire que tout était réglementé par la loi. Voilà la pensée. C'est-à-dire que Dieu avait donné ses lois pour séparer Israël des autres nations. Mais avant que ces lois soient écrites sur des tables, sur des rouleaux, ces lois étaient dans leur conscience. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, Jésus-Christ arrive. Évangéliste, on va lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, je cherche cela, ça va nous aider à comprendre. Vous allez comprendre pourquoi ma église Moussoussou, Tourana, Oboué, Bion, Moussoussou. Matthieu chapitre 5, verset 17. Allons-y. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, j'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mm-hmm. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Prenez le verset 9.
Hébreux 10, le 9e verset. Donc, commencez par le verset 7 pour la meilleure compréhension. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose. Il fait quoi? Il abolit ainsi la première chose. Il fait quoi? Il abolit ainsi la première chose. Dans Matthieu 5, on dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir. Oh, évitez l'image, s'il vous plaît. Il y a des choses. Moi, j'en mange, je t'avais. C'est-à-dire, il est venu faire quoi? Je ne suis pas venu pour abolir. Mais dans l'hébreu, il dit quoi? Il a aboli. Maintenant, qui dit vrai? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Nous cherchons quoi? Ce qui était au début, j'ai donné la définition de la doctrine. Maintenant, je montre comment est-ce que la doctrine a commencé la marche d'Israël et nous allons arriver chez Moïse. Matthieu chapitre 5, verset 17, évangéliste, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Attends, évangéliste. Je prends un exemple. Vous êtes? La loi dit quoi? La loi dit ceci. Celui qui pêche, moi j'ai péché, je prends un agneau qui doit être sans défaut. Je l'amène chez l'évangéliste Robert qui est sacrificateur. L'évangéliste Robert prend l'agneau. Moi je pose ma main sur cet agneau. Je m'identifie à l'agneau. Il égorge l'agneau. Il verse le sang sur l'autel. Et sous l'autel, la poussière couvre le sang. Moi je sors. C'est parce que quelqu'un, une victime innocent a pris ma place. Je pars. Maintenant Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu pour abolir. Mais il est venu pour faire quoi? Accomplir, j'appelle. Il est venu pour accomplir. Mais dans l'Hébreu 10, il dit qu'il est venu pour abolir. Et là, qui dit vrai? Il n'y a pas la contradiction. Je ne suis pas venu pour abolir. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il trouve qu'est-ce qu'on donnait chaque fois pour le pardon du péché? C'était l'agneau. Maintenant, s'il vient, il dit, ne donnez plus l'agneau. Là, il a aboli. Mais lui devient l'agneau. Donc, il devient, Jean-Baptiste le présente, voici l'agneau. Il n'est pas venu abolir. Il devient l'agneau. Il monte à la croix de Golgotha, il verse son sang. Ça dit que cette loi s'est accomplie dans lui, il n'a pas aboli. Mais comment on dit qu'il a aboli? Parce qu'en mourant à la croix de Golgotha, on ne va plus donner l'agneau. Il a aboli. On n'a pas compris? Je recommence. La loi dit ceci. Celui qui pêche apporte l'animal. Vous apportez l'animal parce qu'il y avait cinq sortes de sacrifices. Exemple, il y avait l'holocauste, il y avait l'offrande de farine, il y avait l'offrande des actions de grâce, il y avait expiation, il y avait l'offrande de culpabilité. C'est-à-dire, j'amène mon offrande, j'amène mon taureau qui est là-bas. Si c'est pour l'expiation, on va ôter la peau de l'animal, on amène ça hors du camp. On doit brûler hors du camp. Mais le sang, on doit le verser dans les sanctuaires. Quand Jésus-Christ arrive, il pouvait aussi dire qu'il ne faut plus donner les agneaux. Là, il a aboli. Mais lui devient l'agneau. Quand on le présente devant Ponce Pilate, on prend Jésus, on l'amène hors du camp. Exactement ce qu'on faisait avec l'animal. Est-ce qu'on est comprend? Alors, nous avons compris que c'est Jésus-Christ là qui mort à la croix de Golgotha. C'est ça l'accomplissement des offrandes qui se donnaient chaque fois pour le pardon du péché. Mais après sa mort à la croix de Golgotha, qui peut encore amener l'offrande pour le pardon du péché? Personne. C'est-à-dire, il a aboli. Il n'a pas aboli, on a compris ça, mais après la mort, il a aboli. Est-ce qu'on a compris bien? Françoise, tu comprends?
C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu abolir. Il est venu accomplir. Ésaïe chapitre 53, verset 3 jusqu'au 5e verset, Ésaïe a dit quoi? Il dit, frappé de Dieu, humilié, tout consort. Quand Jésus-Christ arrive pour s'identifier à nous, il monte à la croix de Golgotha, il est frappé et la loi s'est accomplie dans lui. Mais en accomplissant la loi, il a aussi aboli dans son corps. Amen, c'est clair. Maintenant, suivez. Je vous donne maintenant la pensée de la doctrine là-bas, avant que j'avance. Jason, le sacrificateur, il est là dans le temple. Il est interdit de faire quoi que ce soit. Il doit manger de quoi? Si René pêche, il amène l'offrande. Maintenant, René donne l'offrande. Jason donne une partie à l'Éternel. L'autre partie, il va manger mâchoire, épaule, tout l'estomac, tout comme ça. Maintenant, parce que l'offrande est ôtée, vous voyez que cette offrande-là, ce n'était pas seulement l'offrande pour le péché, c'était aussi la nourriture pour le sacrificateur. Ok? C'est-à-dire, dans cette offrande, il y a la pensée d'ôter le péché, mais aussi la pensée de prendre en charge celui qui travaille à l'autel. Maintenant que Jésus-Christ, comme l'offrande, est immolé à la croix de Golgotha, qu'est-ce qu'on a ôté? On a ôté les animaux, tout comme ça. Maintenant, est-ce que le sacrificateur là-bas, c'était un sacrificateur homme, non? Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrificateur. Il y a des sacrificateurs. Maintenant, parce que l'offrande est ôtée à la croix, maintenant, lui va manger quoi? Voilà la pensée qui était cachée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je donne l'offrande pour accomplir la loi, je donne l'offrande pour accomplir la pensée que Dieu avait cachée derrière cette offrande. On ne m'a pas compris. Je reprends. Je vais dire ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais dire ceci. En réalité, voilà ce qui a compliqué les gens. La dîme, ça n'existe pas. La dîme, c'est parce que Jésus-Christ est devenu la dîme. Oui, il est devenu la dîme, mais dans la dîme, il y a la nourriture, il y a aussi le salaire. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Sinon, vous allez tout mettre à côté. Voilà la pensée de la doctrine dans la loi. J'avance, je vais les rassembler. Jésus-Christ arrive. Il faut faire attention ici. Je n'ai pas encore terminé la pensée de Jean, chapitre 1er. Je vais revenir. Je donne l'explication, mais je vais revenir. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est encore l'état de la loi, mais lui-même n'est pas la loi. Les gens oublient ça. Parce que beaucoup de gens disent, tout ce que Jésus-Christ a prêché là-bas, c'est la loi. Non. Dans l'évangile, il y a les paraboles, il y a les miracles, il y a aussi l'enseignement. Tout ce que Jésus-Christ a fait, ce n'était pas seulement les paraboles. Je vous donne un petit exemple. Prenez Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, commencez par le verset 10. Allons-y, évangéliste. On parle là-bas. Matthieu chapitre 19, commencez par le verset 10. Allons-y. Deuxième verset, Matthieu 19. Une grande foule les suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? J'aimerais que vous suivez ça très bien. Ici, les pharisiens abordent le Seigneur Jésus-Christ. La question était laquelle l'évangéliste reprend. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Oui. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Oui. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Oui. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Oui. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme
intelligence. Amen. Les Juifs ne se posaient pas des questions sans la loi. Donc quand ils posent au Seigneur la question, est-il permis à un homme de répudier la femme? Ils avaient déjà une écriture. L'écriture, c'était Deutéronome 24. Parce que dans la loi, un homme pouvait répudier la femme pour n'importe quel motif. Jésus-Christ les ramène au commencement. Ils ont dit, non, 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 mais pourquoi Moïse? Maintenant, ils sortent le verset de Deutéronome 24. Mais pourquoi Moïse a ordonné à un homme d'écrire la différence? Descendez, évangéliste. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Allez, verset 8. Ah. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Suivez ça très bien. Ici, Jésus-Christ ne répète plus la loi de Moïse. Je vous donne des exemples parce que beaucoup de gens disent tout ce que le temps de Jésus, c'était le temps de la loi. Attention. Jésus-Christ, il est venu instituer la grâce. Et toute sa vie, il y a eu des paraboles, il y a eu des miracles, il y a aussi des enseignements. Papa, lisez un peu Matthieu chapitre 28, verset 19. 20. Matthieu 28, 19, 20. 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout enseignez-les, ce que Jésus prescrit. Enseignez-les de faire quoi? À observer. De faire quoi? D'observer. Non, enseignez-les d'interpréter. Enseignez-les d'observer. C'est-à-dire que Jésus-Christ, dans sa marche, il a donné aussi des enseignements. Il dit, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour adultère. Parce que dans la loi, l'adultère, ce n'était pas la cause des divorces. Une femme mariée, quand elle commet l'adultère dans la loi, elle mérite la mort, d'être lapidée. Il n'y avait pas cause de divorce. Maintenant, ici, quand le Seigneur parle des divorces, il interprète la mort. Parce que ce que Moïse a donné ça comme ça. Mais dans la pensée. C'est-à-dire que pour Moïse, quand une femme mariée commet l'adultère, il n'y a pas d'autre alternative. On doit lapider. Pourquoi? Parce que selon la loi, l'homme est lié, la femme est liée avec son mari. Donc le mari est la loi pour la femme. Et du vivant de son mari, la femme ne peut pas appartenir à un autre homme. C'est comme le souverain sacrificateur. Tant qu'il est vivant, le tabernacle ne peut pas avoir un autre souverain sacrificateur. Jusqu'à sa mort. Maintenant, si la femme du vivant de son mari permet qu'un autre homme la touche, c'est-à-dire, elle a tué son mari. Donc, pour la loi de Moïse, elle mérite la mort. Donc, une femme mariée est la propriété privée de son mari. Si un autre la touche, elle accepte, c'est-à-dire elle a tué son mari. C'est ça pour Moïse, il faut la tuer, mais pour Jésus-Christ, la mort veut dire la mettre à côté. Ce que Christ donne là, c'est un enseignement. Vous n'allez pas dire que c'était la loi. Non, ici c'est l'enseignement. Et cet enseignement-là, ça devient quoi? La doctrine. Parce que je dis que la doctrine, c'est l'enseignement. C'est aussi la mise en pratique de l'enseignement. Est-ce que tout le monde comprend bien? Amen. Matthieu chapitre 5. Je parle rapidement. Je sais pourquoi j'insiste. Parce que je vais terminer cet exposé et parler de la parure d'autre chose. Matthieu chapitre 5, verset 21. Allons-y. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ah. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son père, Raca, mérite d'être puni par les Sanhédrin.
et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors suivez-moi, je veux que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Je vous donne la pensée un peu de la doctrine, l'origine. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, attention, les paraboles de Jésus, les miracles de Jésus, se diffèrent avec son enseignement. Jésus-Christ n'a pas seulement fait des miracles et des paraboles, mais il y a des enseignements qu'il a donnés. Et cet enseignement ne peut pas être considéré comme la loi. Est-ce qu'on me comprend bien? Je vais un peu balancer les nuées là pour que vous compreniez. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit que vous avez appris qu'il a été dit, il se réfère où? De la loi. Non de la conscience, mais de la loi. Il a été dit, si quelqu'un commet l'adultère, il est puni. Mais moi je vous dis, si un homme regarde la femme, la convoite, il a déjà commis l'adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contredit Moïse ou il a interprété Moïse? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que l'enseignement de la grâce est supérieur à la loi. Moïse faisait ceci. Quand le sang, quand l'animal est égorgé, on verse le sang, on cache ça dans la poussière. Pour Moïse, il faut cacher la vie. C'est-à-dire que quand Moïse enseignait, il cachait la vie. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était pour révéler la vie qui est cachée là-bas. Donc Moïse, attend, on a eu un problème exact. On l'a, mais Christ dit, son l'a caca. C'est comme l'homme qui a commis la tête. C'est-à-dire la grâce sort ce qui est caché. La grâce traite les motivations, la doctrine traite les motivations, c'est-à-dire ce qui est caché dans l'homme, parce que la doctrine doit régler la conscience de l'homme. Donc, dans chaque doctrine, dans chaque recommandation, il y a un pourquoi. Raison pour laquelle vous allez voir que ici dans l'évangile, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ constitue la doctrine. Voilà pourquoi au début je vous ai dit, quand il a enseigné, toute la foule fut frappée de sa doctrine. Parce que cette façon d'enseigner était différente de celle qui a été dispensée par les pharisiens et les sadducéens. Maintenant, remarquez, Jésus-Christ meurt à la croix de Golgotha. Quand tu meurs, le corps de Jésus, écrivez Romains chapitre 7, verset 1er, et suivez ça, Romains chapitre 7, verset 1er, jusqu'au 3 verset. Le corps de Jésus, c'était la continuité de Moïse dans la loi. Mais quand tu le mets à la croix de Golgotha, on est séparé. Mais ne faut pas confondre l'enseignement que Jésus-Christ a donné tout en étant sur la terre. L'enseignement qu'il a donné, ce n'était pas la loi. Il expliquait déjà la loi. Mais ce n'était pas encore la dispensation de la grâce. Je recommence. Je vous ai dit quoi? Je dis que la loi est venue par qui? Par Moïse. Mais avant la loi de Moïse, c'était quoi? La loi conscience. C'était toujours la loi. Parce que s'il n'y avait pas la loi, on ne pouvait pas parler du péché. C'est qu'il y a la loi qui a existé avant la loi. Il y a la grâce aussi qui a existé avant la grâce. La loi qui a existé avant la loi, c'est la loi parole éternelle. Cette loi-là n'est pas une dispensation. C'est la loi parole éternelle. Quand Moïse vient, il prend ces paroles-là, il les traduit comme une dispensation par tout le monde pour vivre dans l'eau. La même chose avec la grâce. La grâce qui est manifestée au temps de l'Église a existé déjà bien avant. Mais cette grâce-là n'était pas encore une dispensation. Est-ce qu'on me comprend, Jésus? Mais la grâce dispensation vient après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je parle de l'Église. L'Église
quelle est notre doctrine? La doctrine de l'Église, suivez ça très bien. Dans l'équipe, on peut s'en rendre très bien. Je veux que vous me suivez ici très, 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 très bien. Ce que Moïse avait donné comme la loi, comment on doit vivre ça au temps de l'Église? 1 Timothée chapitre 1er. Réponse au verset. Le verset là qu'on avait donné. 1 Timothée chapitre 1er. Commencez par le verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parasites, les meurtriers, les impies, les infâmes, les voleurs d'or, les menteurs. Papa, s'il vous plaît, commencez par le verset 8, s'il vous plaît. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. L'usage légitime de la loi. Alors, supportez-moi, là je vais entrer pour que vous compreniez bien l'usage légitime de la loi. C'est-à-dire, l'Église, la grâce, ne rejette pas la loi totalement. Mais on doit faire l'usage légitime. C'est-à-dire quoi? Ces lois qui étaient données à Israël, au temps de l'Église, sont considérés comme ombre, sont considérés aussi comme exemple, sont considérés comme pédagogue. J'aimerais que vous me suivez ici très très bien. C'est-à-dire, on ne dira pas, les apôtres n'ont pas prêché la Bible. Où est la place de la dîme chez les apôtres? Oui. Mais cette dîme de la loi-là, on doit en faire un usage légitime au temps de l'Église. On doit faire ça comment? Dans chaque loi, il y a la pensée, c'est-à-dire il y a la forme et le fond. La pensée. Qu'est-ce qui est caché dans la pensée de la dîme? Malachi 3 dit quoi? Apportez la dîme dans la maison pour qu'il y ait quoi? La nourriture. Et nombre dit quoi? La dîme, c'est le salaire. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ dit que allez, l'ouvrier mérite son salaire, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce salaire-là se trouvait où? C'est-à-dire, au-delà de l'écriture, il y a la pensée que Dieu a cachée. Alors, vous n'allez pas dire que parce que les apôtres n'ont pas prêché. Non, ils ont prêché. Mais ne faites pas les débats sur les mots. Il faut entrer dans la pensée pour comprendre. Qu'est-ce que Dieu a voulu réellement parler en parlant de la doctrine de l'Église? Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, suivez en un mot pourquoi j'ai fait toutes ces démarches. Bon, là, maman, très bien. Je descends. Il y a des gens pour eux, la doctrine, c'est ce qu'ils ont vu depuis Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. C'est ça la doctrine. Ça, c'est la première tendance. Vous trouverez ça aussi dans des assemblées de saints. Ce que les apôtres n'ont pas parlé, c'est la doctrine. Ce n'est pas la doctrine. La doctrine, c'est ce que les apôtres ont parlé, ont pratiqué. Mais, vous trouverez aussi les autres qui disent, l'autre tendance qui dit, pour nous, la doctrine, ce n'est pas seulement ce que les apôtres ont prêché, c'est aussi ce que la loi a parlé. C'est-à-dire, si les apôtres n'ont pas dit quelque chose et que nous les avons vu dans la loi chez les prophètes, on les pratique. Mais les autres, les uns, ce que les apôtres ont dit reste l'absolu. À part l'apôtre, nous sur la loi, ils ont ombre, qu'on soit même t'es. L'autre tendance dit, si les apôtres disent quelque chose, d'autres disent oui. Mais s'ils n'ont pas dit quelque chose, on peut recourir chez les prophètes. Parce que toute écriture est inspirée.
Notre tendance dit, on prend tout, que ce soit la loi et tout, c'est la doctrine. Alors, vous allez trouver de telles tendances. Je donne maintenant les exemples pour que vous compreniez très bien d'où vient la confusion dans ce que les gens appellent doctrine. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 jusqu'au 37 verset. Allons-y. 1 Corinthiens 14, 34, jusqu'au 37, nous lisons. Allons-y, Ange. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'il dit aussi la loi. Selon? Qu'il dit aussi la loi. Selon? Qu'il dit aussi la loi. Non, selon ce que dit les Épîtres. Selon ce que? Dit aussi la loi. Non, selon ce que dit les Épîtres, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que la loi vient faire ici? Qu'est-ce que la loi vient faire ici? Parce que la doctrine, c'est seulement l'enseignement prêché par les apôtres. Je dois rappeler aux gens, suivez-moi très bien, ma Paul m'a mandé à Corinthiens, Romains, Colossiens, Philippiens, il prêchait la loi, les puissants et les prophètes, pour faire sortir l'évangile qui est Christ. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens prêchent, ils disent non, la loi, c'est... Mais qu'est-ce que les Paul prêchait? Les Paul ne prêchaient pas des Corinthiens, ni les Éphésiens, ni les Philippiens. Ici, frère Paul, pour poser la doctrine, il a regardé aussi ce que la loi avait dit. C'est comme Moïse. Avant de tuer l'Égyptien, il a regardé de deux côtés. Tu ne peux pas tuer l'Égyptien sans le talika Ramboko. Il faut voir de deux côtés. Alors, je veux dire que la doctrine, c'est pas seulement ce que les apôtres ont prêché. Non. Ce que les apôtres ont prêché, ils ont réussi ça quelque part. Mais comment est-ce que la loi est ramenée dans la doctrine? Parce que ça doit être le témoignage, parce que Dieu nous a pas changé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, prenez un peu Philippiens. Ce verset ici, de Philippiens. Philippiens, ça doit être chapitre 4. Ça doit être chapitre 4. Prenez Philippiens 4, verset 18. Allons-y. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Ah, évangéliste. Paul Batindelie Bosui, Batindelie Baton, Bacado. Il a reçu ça, mais il dit Nazuya Moloko, un parfum de bonne odeur. Offrande Yamon, un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire, en réalité, quand il prend l'argent, il trouve ça parfum de bonne odeur. Non pour accomplir le parfait qui était donné là-bas dans la loi, mais comme l'exemple de ce qui réjouissait le cœur de Dieu. Est-ce qu'on me comprend bien? Vous n'allez pas dire que bon, on va faire ça qui Pierre et Paul est parfait de bonne odeur. Non. Mais il a pris ça parce que dans la loi, il y avait aussi les offrandes de parfait qui s'est donné. Pour dire que nous, on ne rejette pas la loi dans sa totalité. Mais on prend des exemples selon ce que les prophètes ont fait. Je vais aller petit à petit pour que vous compreniez très bien. Exemple. Voilà, nana. S'il y a quelque chose qu'on a vu les apôtres faire ça clairement, redoublez votre attention ici, s'il vous plaît. Je vous en prie, redoublez votre attention. Si on a vu quelque chose clairement dans les Épîtres, qui explique ce qui a été fait dans la loi. On ne va plus répéter ça comme la loi. Parce que les apôtres ont déjà expliqué. Vous voyez qui va dire? Dans la loi, on devait respecter le sabbat. Ok? Le sabbat comme septième jour. Qui était le samedi? Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il interprète le sabbat, que le sabbat c'était son corps.
Dans Hébreux chapitre 4, on explique que le sabbat aujourd'hui, c'est l'évangile. Celui qui croit entre dans le repos. C'est fini. Comme le sabbat est expliqué, on n'a plus le temps de recourir au sabbat comme exemple. Parce que Christ a accompli ça et tout est accompli. Prends exemple, il y a un jeûne. On a vu dans l'ancienne alliance, Bassali jeûne il y a 3 jours. On a vu Bassali jeûne à Mokolomoko, Bassali jeûne il y a 40, Bassali. Est-ce que Natango l'évangile, jeûne au Bassala qui en haut, Natango y a ma apôtre, Bassala qui peut ma jeûne, oui. Bassala qui en haut quand il y a 3:40, non. Vérifions les textes, s'il vous plaît. Lisons les textes. Pour qu'une chose soit considérée comme doctrine applicable, il faut que ça soit comment? Papa, allons-y. Luc chapitre 2, verset 37. Luc chapitre 2, verset 37. Allons-y. Restait veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Combien de jours? Combien de jours dans le jeûne? On n'a pas donné de jours. Deuxième Corinthiens chapitre 11. Deuxième Corinthiens chapitre 11. Prenez le verset 27. 27, deuxième livre de Corinthiens. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veillées, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Combien de jours de jeûne? Hein? Combien de jours de jeûne? Je pose la question. Luc chapitre 18, verset 12. Luc chapitre 18, verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Ah, bon, bon. Montons la bataille, je jeûne combien de fois par semaine? Non, je vous pose la question. Il ne gênait pas 3, 7, 14, 21. Lui, il gênait combien de fois? Oh, bon, là, maman, c'est quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous l'aimez bien, Abinor? Les Juifs ont leur calendrier qui n'a rien à voir avec l'Église. Viens effacer. Fais ça rapidement. Seulement ici. 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 Les Juifs ont leur calendrier juif, hein, qui n'a rien à voir avec l'Église. Les Juifs comptaient les jours. Moukole pas maïou de bandana couché à soleil. Exemple. Et pas un badjou, Tikarana. Et pas un badjou, lundi à la année. Mardi, il n'y en a pas. Mercredi, il n'y a pas. Chez eux, c'est le premier jour de la semaine. Deuxième jour de la semaine. Troisième jour. Et ne compte pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non. Et compte premier jour de la semaine. Deuxième jour de la semaine. Troisième jour, jusqu'à Shabbat. Sabbat, chez les Juifs, c'est quel jour? Septième jour, c'est samedi, non? Mais sabbat, les Juifs ne commençaient pas samedi. Commençaient vendredi soir. C'est que les autres jeûnent comme ça. Ils commencent le jeûne le soir, le vendredi. Parce que chez les Juifs, on commence comme ça. Vous devez avoir des versets bibliques pour prouver ça. Et quand Dieu a donné la loi d'Assinaï, il a donné un seul jour de jeûne. C'était le 9e jour du mois de Tisri pour préparer les grands jours des expiations parce que le souverain sacrificateur entrait le 10e jour de Tisri, 7e mois selon le calendrier agricole et 1er mois selon le calendrier religieux. Je vais vous donner quelques détails là-bas comme ça. Nous allons avancer pour que je vous explique. Comment est-ce que les Juifs comptaient leurs jours? Évangéliste, tout ce qui est dans Lévitique 23. Cherchons ce verset-là, Lévitique chapitre 23. Je sais que nos traductions ici ne parlent pas.
parle de jeûne, il parle seulement d'humiliation, mais français courant parle de jeûne. Papa, prenez Lévitique chapitre 23. Prenez Lévitique chapitre 23. Lisez le verset. Prenez le verset 26. 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ces jours-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ces jours-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du dernier jour. C'est-à-dire le sabbat de l'expiation commençait le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Voilà. C'est-à-dire, chez les Juifs, sont bandits vendredi. Hein? On m'a dit vendredi n'a pas quoi. Pourquoi ça me donne déjà des jours? Vous comprenez? Si on te demande le verset, il faut donner ce verset. C'est-à-dire que chez eux, ça m'a fait ça, ma la journée à Gênes, c'était ça. C'est-à-dire qu'elle commençait, comme le sabbat c'est le samedi, le vendredi soir, c'est déjà le premier jour. Donc, vendredi soir, déjà, il commence les jeûnes. Maintenant, quand vous arrivez samedi soir, c'est déjà le deuxième jour. Et quand vous arrivez le dimanche, c'est le troisième jour. Les Juifs, ils comptaient comme ça. Ils commençaient à compter. Vendredi soir, c'est le premier jour. Ils arrivent, c'est le deuxième jour. Et après le deuxième jour, ils entrent déjà dans le troisième jour. Les Juifs comptaient les jours comme ça. Parce que chez eux, ils ne comptaient pas les jours comme nous. Ça, c'est la façon que Dieu leur a donné de compter les jours et de jeûner. C'est comme cela que chez les Juifs, Shabbat, c'est le samedi, mais le vendredi déjà, le sabbat commence le soir. Il n'y a plus de travail, quoi que ce soit, jusqu'à l'autre samedi. Alors maintenant, l'Église doit respecter ce calendrier. Il faut maintenant venir chez les apôtres. Commencer par l'évangile vers les apôtres. Est-ce qu'ils ont jeûné comme ça? Nous avons eu quelqu'un qui dit qu'il a jeûné. Lui jeûne deux fois par semaine. Il jeûne combien de jours par semaine? Deux fois. Maintenant, je vous dis, comment est-ce que le jeûne? Parce que dans la loi de Moïse, Dieu a donné le jeûne un seul jour. Vous avez le pourquoi de ça? Le pourquoi non. Vous n'avez pas le pourquoi de ça? Ça dit quoi? Je ne veux pas aller plus loin parce qu'il faut que je vous donne le temps. Ça dit chez les Juifs, René Kanda, faisons un petit exercice. Ça peut pas être difficile. Faisons un petit exercice. Un petit exercice. Je crois que tu as voir enseigné les fêtes ici, non? Un autre. Fête de l'Éternel. Exode, rapidement, Exode 23, il faut que je vous donne ça. Exode chapitre 23, papa, prenez le verset pour gagner du temps. Prenez le verset 15. Tu observeras la fête de pain sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. La fête de la récolte, c'est quand, Mike, la fête de la récolte? À la fin de l'année. La fête de la récolte, ça se faisait dans le 4e mois. Alors, regardez.
Je vais vous donner le calendrier. Effacez rapidement. Il faut que je l'explique rapidement comme ça. Dans une doctrine, je termine, j'explique des choses et on passe dans les questions et réponses. Suivez. Calendrier Yabayuda, ça se diffère dans notre calendrier. Exode chapitre 12, rapidement évangéliste. Exode 12, commencez par le verset 3, 4, 5. Allons-y. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est-à-dire quoi? Suivez-moi très bien. En Égypte, vous êtes fatigué, je vois. En Égypte, les premiers mois, c'était le mois de Nissan, qui correspond à mi-mars, avril aujourd'hui. Et c'était le 14e jour qu'on devait prendre l'agneau. C'était le premier mois. Parce que Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. C'est-à-dire pour les Juifs, selon les fêtes, le premier mois de l'année commençait au mois de Nissan ou mi-mars avril. Mais le verset que nous venons de lire dans Exode 23, là-bas, on a dit que le mois de Tisri, c'est-à-dire septième mois, ça sera le début de l'année. Maintenant, en Israël, il y avait deux façons de débuter l'année. On commençait l'année par des semences et par l'animal. Là, c'est l'ombre et la réalité. Mais je vous donne seulement le texte quand, les gens font le débat sur les années, sur les calendriers, notre façon de calculer, ça se diffère à celle des Juifs. Les Juifs, l'année commençait par la lune. Et plutôt, le mois commençait par la lune. Nombre chapitre 28. Il y avait, c'est-à-dire, nouvelle lune, c'est le début de l'année, du mois. Parce que chez eux, c'est pas comme nous. Chez nous, l'année calendrier qui a été instituée par le pape Grégoire, calendrier grégorien, dans les 1500 et quelques, c'est lui qui a institué le calendrier qu'on a aujourd'hui. Mais le calendrier juif, chez les juifs, le calendrier n'est pas solaire, le calendrier est lunaire. C'est-à-dire que par exemple, la sans en amour, mais pas la psaume calendrier, ça, il y a mouille. Et que ma belle est tournée dans pas la bango, les années que ma belle est tournée dans sans. Donc, les sans sont tournés dans ma belle. Alors, c'est pour dire que quand on fait le débat sur les calendriers juifs, les ramener à l'église, on tombe. Parce que chez les juifs, il y a des quatre veilles de la nuit, commençant par 18h, 21h, 21h, 24h, 24h, 3h, 3h, 6h. Chez eux, c'est ça, les quatre veilles de la nuit. Et le jour, Jean 11, 9. Oui. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Voilà. C'est-à-dire que les 12 heures, c'est dans un seul jour, mais il y a les 4 veilles de la nuit. Alors suivez-moi, je vais expliquer comment les Juifs gênaient. Donc, nous avons appelé ça qui m'a montré que pour générer 3 jours, 7 jours, 14 jours. Non. Dieu leur avait enseigné que vous allez gêner seulement un seul jour, au mois de Tisri. Le 9e jour, le soir, vous commencez le jeûne. Parce que le 10e jour, le souverain sacrificateur entrera dans les lieux très saints. Le souverain sacrificateur entrait une seule fois par an dans le lieu très saint. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ venir. Il y a soit Koufa Nata, il y a Pâques, il y a Nissan. Maintenant, nous avons Koufa Nebulus, voir les Pasuki.
Nzamba ramené mukolo oyo souverain sacrificateur abandé kokota a ramené yango na mukolo Yesu akufaki pour dire que tango esangani ekomimo. Donc Jésus-Christ sa mort à la croix de Golgotha, c'est lui le souverain sacrificateur qui est entré. Si quoi le bateau baromi qui disait sous les lots dès que au génémoté les lots comme qui disait les répatances parce que vrai gène c'est la répatance. Maintenant les gènes et comment dit 3 jours 14 nénéni selon le fardeau que l'homme avait. Ah pour la cas où je vais gêner comme ça, pour la cas où je vais gêner comme ça, mais pour Israël la doctrine, leur façon de prier, leur tout était réglementé par la loi. Alors pour nous aujourd'hui, l'Église n'est pas appelée à respecter noir sur blanc le calendrier de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les épîtres, on a vu Nabandeli. Ceux qui tombent là, qui va gêner, multiplier, pas y'a pas pour traiter. Doctrine, qu'est-ce que je vous ai dit? Si on ne voit pas quelque chose, c'est parce que nous croyons comme ça. Nous croyons que toute écriture est inspirée. Soit tout le monde est le moment, mais pas ma tomate et ma prophète, ma salle qui te reçoit pour le rôle d'exemple. Parce que nous avons vu ça dans la Bible. Papa, prenez l'Exode 23, et plutôt Acte 23. On termine là-bas comme ça. Je vais enseigner des leçons. Dans quelques minutes, on termine. Acte 23. Commencez dans les versets. Ça doit être 5, si je ne me trompe pas. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal au chef de ton peuple. Ça dit, on jugeait Paul. Mais quand il dit, ne crains-tu pas que c'est le souverain sacrificateur, il dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Où est-ce qu'il a reçu ça? Dans Exode 21, 28. Allons-y, évangéliste. Il a reçu ça dans Exode 21, 28. Exode 21, le 28e verset. Oui. Si un bœuf frappe. Non, 21, 28, c'est ça? Oui, Exode 21, 28. Exode 21, attends. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Non, 22-28. Oui. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. C'est-à-dire que frère Paul, il a répété. On est mis sur des tous abos dans le monde animal pour bien comment dit les autres nationalités nous suivent. Sans qui tout le monde le connaît comme apôtre et basali, tout cambi a mon rôle la doctrine. Sans qui tout le monde est basali, mais ma prophète basali, tous ont le rôle l'exemple. Mais nous sommes tous à dire que nous ne les avons pas et nous pas ma prophète tous à la terre. Non. Parce que frère Paul dit, le temps me manquerait de parler. Le temps me manquerait de parler. Quand lui-même pose la doctrine, il se référait aussi à la loi comme exemple. Est-ce que vous comprenez? Quand frère Paul pose la doctrine, il y a salaire, il y a basal, il y a zambé. Il s'est référé à Paul. Il s'est référé de la loi. Il dit, celui qui travaille à l'autel, mange à l'autel. Là, il ne prend plus l'autel comme ombre, il prend l'autel comme exemple. La doctrine pour nous, Dieu a marché dans la conscience, il a donné les lois dans la maison d'Israël, Jésus-Christ est venu les rassembler dans son corps. Jésus-Christ a rassemblé comment? C'est comme le prophète Élie a pris 12 pierres avec combien de criches? Combien de cristaux? 10 jours. Combien de cristaux? Hein? Élie a voir qui combien de Krishna? 12 pierres. A voir qui 12 plus 12, non? C'est ça la pensée du 24 vieillard.
Mais ma 24 vient pour bouger, il faut 4 êtres vivants pour bouger le bosson. C'est l'évangile qui fait bouger la loi, les prophètes et les apôtres. Parce qu'il y a 12, mais c'est l'évangile qui fait bouger. Donc si Christ bouge, la loi et les prophètes et les épîtres aussi bougent. Parce que c'est lui l'homme du milieu. Alors exactement c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est donc comme le bâmi dans le bois, tout le monde n'est pas un apôtre, mais interprété. Tout ça, les amours de l'interprété. Ce qui est le bâmi qui est le bâmi, c'est le bâmi qui est le bâmi. C'est le bâmi qui est le exemple. Est-ce qu'on m'a compris? Voilà comment est-ce que nous comprenons la doctrine. Et cette doctrine-là, c'est l'enseignement. C'est aussi la façon de vivre cet enseignement, comme je l'ai dit au début. Mais néanmoins, il y a des doctrines des démons, il y a des doctrines des hommes, il y a aussi la sainte doctrine. Alors, si nous insistons la doctrine, c'est la sainte doctrine, où il y a un raisonnement à battre, mais c'est le commandement que le Seigneur a donné. Alors, suivez-moi, je termine mon exposé. À chaque doctrine, il y a, c'est-à-dire, quand Dieu dit que la femme n'enseigne pas, il y a un pourquoi. Si Dieu dit que moi, ça l'a taboueté, il y a un pourquoi. Maintenant, la doctrine, c'est pas seulement moi, ça t'a été, moi, ça t'a été. Il faut aussi comprendre pourquoi la femme ne doit pas enseigner. Moi, ça l'a taboueté, pourquoi l'a taboueté. Il faut aussi comprendre pourquoi l'a taboueté. Parce que si quelqu'un n'est pas enseigné, alors on sera dans l'hypocrisie. Il faut que la personne sache pourquoi. Je vous donne un petit exemple. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11 verset. Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité de l'homme. Pourquoi? Parce que mon père, la salamaka liboso, la femme ensuite. Ça veut dire que si la femme enseigne, si la femme n'enseigne pas, Dieu n'est pas contre la femme. Mais il y a les motifs, c'est-à-dire il y a des choses cachées derrière cet enseignement. Les femmes n'enseignent pas pourquoi, je vous donne un petit exemple, les femmes n'enseignent pas pourquoi, parce que l'homme était le grand frère. Au monde de la famille Yaya, son hasard, on a eu aux hommes à le matin, il faut un peu son malheur. Maintenant, l'homme premier, ensuite, quand la femme avait enseigné dans les jardins d'Éden, la mort était tombée. Quand Dieu est venu, pour la narrer très bien, jamais à Péki, sans moi, ça t'a pas batté. Parce que beaucoup de gens disent, Dieu n'est pas non. Quand une femme enseigne, elle change la nature tout entière. Derrière cette loi-là, il y a quelque chose. La doctrine corrige les esprits. Je ne permets pas à la femme d'enseigner parce que Akelama qui motu alibo sauté. L'homme était créé premier, ensuite. Donc si la femme est une ensuite, elle ne peut pas enseigner l'homme qui est venu avant lui. Même la nature est sale. Vous avez la famille, vous avez un pasteur. Il y a un aïe pour tous ceux qui ont l'église noire. Mais avant, vous avez le brutal, il y a eu l'obédé. Pourquoi? Parce que celui qui est venu avant, c'est le grand frère. Tu ne peux pas prendre l'autorité devant lui. Maintenant, si la femme enseigne, c'est-à-dire que Dieu a changé la création. Deuxième raison, je vous donne la pensée de la doctrine. Vous me suivez bien. Deuxième raison, parce que la femme, quand elle a enseigné dans les jardins d'Éden, la mort est entrée. Voilà ce que Dieu pose à Adam comme question. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a enseigné que tu es nu? Qui t'a donné cet enseignement de la nudité? L'homme répond quoi? La femme que tu as mis à côté. Alors, parce que la femme a enseigné, cela a amené la mort. Dieu l'a empêché d'enseigner. C'est ça le pourquoi. Maintenant, on nous pose des questions. Est-ce que Dieu est contre la femme? Dieu n'est pas contre la femme. Sauf que Dieu a tout créé pour un but et tu ne peux pas changer ça. Si quelqu'un te dit que bon, ici dans le Seigneur, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, homme. Maintenant, dans le Seigneur, c'est ça. Pourquoi vous vous mariez dans le Seigneur?
Il faut comprendre les contextes. Dans le salut, si nous sommes sauvés, là, en esprit, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, mais comme ça, au bas, la Zali, moi, c'est la Zali. Raison pour laquelle j'insiste que dans la doctrine, il y a quelque chose qui est caché. Moi, ça, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui est caché? Parce que l'homme doit être enseigné par pourquoi Dieu empêche ça. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, on ne peut pas faire quelque chose. La doctrine, par exemple, tu régénéreras à 3 jours, tu régénéreras à 7 jours. Non. Non. Comment vous allez dire à Paul, Paul a fait des jeûnes multipliés. Combien de jours? Ce n'est pas écrit. C'est-à-dire que quelqu'un peut être poussé par l'esprit de jeûner tout en respectant la procédure. Maintenant, cette procédure-là signifie quoi? Je termine et puis je rentre directement pour vous donner le temps de questions et réponses. Réveillez-vous. S'il y a des gens qui dormaient, il faut les réveiller ici. Nous voulons terminer quelque chose d'importance. Jean chapitre 19. Si je vous demande de lire tout en ensemble. Jean 19. Là, l'évangéliste va lire ensemble avec d'autres. D'autres personnes aussi vont nous lire. Jean 19, verset 13 jusqu'au 15e verset. Et donc, on va prendre. Donc, on va prendre Marc chapitre 5, verset 25. Allons-y. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Jésus, Pilate l'a livré à quelle heure? Oh, je vous pose la question. À quelle heure? À quelle heure? 6e heure, non? Marc 15, verset 5. Allons-y. Marc 15, verset 25, il est écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Marc 15, verset 25. Et nous avons des symptômes. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiqua le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Oh, quelle heure donc? Troisième heure. Mais Jean dit 4e heure. Il n'y a pas la contradiction. Papa, prenez alors verset 33, 34. Donc. 33, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ah. Maintenant, ça devient un peu compliqué. Hein? Voilà la 4e heure. La 6e heure étant venue, il y a des ténèbres sur toute la ville. Attends. Ça va finir tous les débats que les gens font. Hein? Le prophète Jean dit que Jésus-Christ a été crucifié et livré. Pilate l'a livré à 4e heure. 6e heure. Et à la 9e heure. Hein? Et l'évangéliste. Lisez. 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Non. Jean. Toi, tu es dans Jean. C'est donc t'as qui est dans Marc. Jean 19, 13 au 15e verset. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. 6e heure. Jésus-Christ a été livré 6e heure. Marc dit quoi, docteur? 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Maintenant, nous allons croire à quel calendrier?
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a maintenant la contradiction dans la Bible? Non. Non. Pas la contradiction. Il n'y a pas la contradiction. C'est-à-dire, chez les Juifs, Jean 11, 9 dit quoi, évangéliste? Jean 11, 9 dit quoi? Jean 11, 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Regardez. Là, il fallait aller pas plus pour les mettre. Tu appelles lumière quoi? Ténèbres quoi? Maintenant, 6 heures jusqu'à. C'est sa première heure. Hein? Mais 6 heures, c'est première heure. Il y a jour. Maintenant, nous comptons première heure. Deuxième heure. Troisième heure. Maintenant, si les Juifs comptent troisième heure, les Romains comptent quatrième heure. Neuvième, c'est ça. Il n'y a pas de la contradiction. Vous comprenez? Et par la bise autour, 6 heures. 6 heures. Si tu commences à 7 heures, tu commences à 8 heures, tu commences à 9 heures. C'est où les première heure, deuxième heure, troisième heure. Donc, si tu as toujours le matin, à 7 heures, et quand on va eu les première heure, on va venir en première heure. Deuxième, troisième, quatrième. Maman de Dieu soit sur l'eau là qui n'a moins soin à sa sixième heure, c'est qu'elle a midi. Sixième heure, elle a 12 heures, elle a midi. Bisous, ton homme est en haut 12 heures, mais pas la une des sixième heure. Pour parler dans ce moment, on compte première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième. C'est simple, non? Il n'y a pas même question de l'interprétation là-bas. C'est une explication claire. Mais si quelqu'un te dit qu'il faut compter les jours selon les Juifs, il faut maintenant ramener. Mais pourquoi Jean le prophète a compté les jours selon les Romains? C'est-à-dire, on ne doit pas faire une doctrine sur les jours, mais on fait la doctrine selon la conviction que Dieu nous a donnée. Quelle est la doctrine que Frère Paul a parlé sur les jours? Romains 14. Voilà la doctrine. Et puis, on part directement dans deuxième leçon, Romains 14. Quelle est la doctrine qui est posée sur les jours? Romains chapitre 4. Et plutôt, 14 évangélistes, lisez ça. Commencez par le verset 5-6. Mais pour, oui, 5-6, allons-y. Tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Voilà la doctrine. La doctrine, c'est ça. Ne discutons pas sur les jours, mais que chacun fasse selon sa conviction. Le frère Paul a tranché le problème de la conviction. Est-ce que vous comprenez? Et vous comprenez? Parce que frère Paul savait que les gens se poser des questions sur les jours, les heures, surtout dans la Baba Yuda, au cours de l'église. C'est très dangereux. Galates chapitre 4, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Galates chapitre 4, commencez par les versets 9, 10. On termine là-bas, nous rentrons directement sur la parole. Allez. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvre rudiment, auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. En tout cas, s'il vous plaît, on ne prêche pas la doctrine des jours, des mois, des années dans l'église, parce que c'est nous retourner dans la loi de Moïse que les apôtres n'ont pas prêché. Est-ce que je peux continuer?
Genèse 24. Je commence deuxième enseignement et je vais terminer. Genèse 24. Ah, la combien on va pas lire. Bon, vous lisez seulement parce qu'on doit gagner du temps. Genèse 24, verset 53. Allons-y, évangéliste. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et de vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Dieu n'était pas contre la parure. L'or, l'argent, nous avons vu dans les textes, les femmes qui s'appelaient autrefois les servantes de Dieu, qui se revêtaient des or. L'autre témoignage, 1 Pierre chapitre 3. Allons-y. 1 Pierre chapitre 3. Ces versets-là nous aident aussi à comprendre. Prenez les versets. Prenez même les versets. Commencez par le verset 3. Descendez. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Est-ce que quand ces femmes-là, Babande Boulata, Boyenge Bendi, cela les empêchait de porter les bijoux? Non. Ils mettaient des parures parce que nous avons vu les textes noir sur blanc que le serviteur le plus ancien a mis l'or, l'argent, les bracelets sur Rebecca. Jusque-là, il n'y a pas de péché. Mais comment vous, les assemblées des uns, les autres, interdisent aux femmes de porter les bijoux, tout qu'on soit, alors que dans la Bible, on a vu Rebecca aussi porter. Ça vient d'où? Genèse 35. Genèse chapitre 35. Commencez par le verset 2. Descendons jusqu'au 5e. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Attends. À la sortie, je crois vous avoir enseigné ici le voyage de Jacob. Je vous ai enseigné, non, le salaire de Jacob. Ok. Je vous ai enseigné ça sous forme de salaire de Jacob. Quand Jacob rentrait avec son église, arrivé dans Sichem, il a ordonné, parce que après Sichem, c'est Bethel. Il dit, je vais voir, je vais rencontrer les dieux qui m'est à Paris quand je priais mon frère Esaü. Faites quoi? Ôtez quoi? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Comment Israël marchait avec les dieux étrangers? Comment ça devient les dieux étrangers? Ça dit que avant tout cela, les filles de Jacob, parce que cette église-là, c'était l'église de Jacob, c'était ses fidèles, portaient les dieux étrangers. Quand Jacob leur enseigna de doter les dieux étrangers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons-y. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Oui. Et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Oui. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Attends, s'il vous plaît, ça devient maintenant sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. T'es toujours canaco. Je ne voulais plus avant la bébé. Qu'on la parle pour la vie. Amen. Jacob na kimi a pasteur na bango. Bango mi na siche ma bite. Kune la Bethel. Bethel la kopo eglise te. Bethel la place zambi.
akutanangana Jacob, Alexandre et Michel. Jacob dit, mais c'est la maison de Dieu, on ne peut pas aller comme ça. Bon, nous avons un peu de papaya, on peut s'en. Curieusement, ça va pas un bon bâton de mon ami. Ah bon, ça devient sérieux. C'est que ces choses-là deviennent de Dieu comment? Exode. Tendez. Premier verset. Le peuple. Premier jusqu'au troisième. Allons-y. Le peuple voyant que Moïse tapait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » C'est le retard. J'ai un enseignement que je vais faire dans la salle de l'Apocalypse au mois de juin, ça sera sur ça. Le retard de Moïse, ils ont fabriqué les vendeurs. Parce que Moïse prend du temps. Parce que Moïse tarde à descendre. Fais-nous un Dieu. Parce que nous ne savons pas c'est Moïse qui est devenu. Tu es dit que ce soit comme ça. C'est la mission de Zambé, mon retour. En tout cas, Tofu Kamelaï. Curieusement, allons-y. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Ça devait menacer. Pour Jacob, les dieux étrangers, Malongola, Miloka Matoui. Mais pour Aaron, il dit, bon, on va Miloka Matoui, Bozana Moana, Nama Bracelet, Nama Miloka, on est sensible, même dans la fête à mariage, sont au Taliban, ils sont totalement tous Miloka Matoui. Parce que ça n'a pas commencé ici. Jacob, Aaron, et quand ils ont sorti, les dieux, ma petite Aaron, les aïeux au salé la peau, vaudor. Donc, on comprend maintenant que ces histoires-là expliquent une divinité étrangère. C'est-à-dire, pour Jacob, sortez. Pour Aaron, parce qu'ils ont donné, ils ont fabriqué le veau d'or. Et on voyait le veau d'or. Et c'est la guitare. On ne met la guitare. Dieu est descendu. Allons-y. Nous sommes toujours dans le chapitre. Non, prenez le chapitre 33. Maintenant, quand Dieu est descendu avec Colet, verset 33, verset 5, 6. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroux. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas parler avec Israël, et c'est sérieux, hein? Parce que, et ça est long. Dieu du ciel, il dit, avant d'aller, cela explique que ce n'est plus l'orgueil. C'est-à-dire, Dieu parle des choses naturelles pour nous expliquer des réalités spirituelles. Ils ont enlevé ça parce que Dieu ne pouvait pas parler avec un peuple rebelle et qu'ils avaient leurs ornements. Quand on dit ici, la femme ne peut pas porter les bijoux, ça n'a pas commencé ici. Dieu a insisté parce que les boucles, les oreilles, les bracelets, les histoires là ont fabriqué le veau d'or. Dieu n'a pas besoin de voir ça. D'ailleurs, je dois vous dire ce qui est vrai. Moi, c'est à quel sein dans mon bagne. Vous savez, le moment, pourquoi ils sont dit que ceux qui, moi, si mon rattalé, mon bagne, à lui, à Salé, pourquoi ils n'ont pas dit ça? C'est ça? Jésus-Christ n'a pas dit ceux qui, je vous dis, si une femme regarde un homme, le convoite comme un adulte, pourquoi il n'a pas dit ça? Nous autres, dans mon bagne, et ça, là, on peut attirer, moi, c'était.
La femme pète, moi si j'ai, avant que ma mère me donne, donc on a beaucoup de ma délivrance. Mais le corps de la femme, c'est très dangereux. Voilà pourquoi les femmes doivent être bien gardées, parce que leur corps peut causer des scandales et des accidents. Alors, parce que les femmes ont sorti leurs ornements, leurs bijoux, leurs bracelets, en fait, un dieu, vautour. On a compris deux témoignages, Jacob, Aaron. Et quand Dieu descend, pourquoi? Parce que rester avec les bijoux, les ornements devant le Seigneur, ça prouve que vous êtes orgueilleuse. Alors, signe de l'humilité, ôtez, je veux vous voir naturel. Vous voyez comment cela a commencé. Et Dieu n'était pas contre les ornements. Mais parce que cet ornement a amené les gens aux orgueils, Ésaïe chapitre 3, verset 16. Ésaïe 3, le 16e verset. L'Éternel est dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Vous voyez? C'est-à-dire, cela a amené les peuples dans l'orgueil. Les femmes sont devenues orgueilleuses. D'ailleurs, je vais vous dire, au moins, il n'y a que les hommes qui sont possédés qui peuvent voir quelqu'un. Parce que les gens qui sont dans les religions de la sape là, j'ai vu un frère possédé par cet esprit-là. Bazar à ma veste, il y a 15 000 dollars, il y a 10 000, il y a 5 000. J'étais quelque part là-bas, j'ai dit, mais ça c'est de la possession. On m'a appelé prophète, il m'a dit, chez lui, je m'ai dit 600 dollars. Attends, là, non, c'est pas vrai. Beaucoup de choses comme ça. Il y a que les hommes possédés qui peuvent être attirés à ces choses-là. Mais moi, si, ce n'est pas et la base que l'équipe. C'est-à-dire que la façon de la femme se diffère. C'est-à-dire que la femme contrôle tout. C'est ça la femme. Maintenant, Dieu, pour corriger ces esprits-là, il prend cette beauté-là extérieur, il remet ça dans le cœur. Maître, peut-être mon cœur. Quand Moïse est venu, Azur, Vaudor. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il veut prendre la femme, retourner la femme dans la discrétion, parce que, disons-nous la vérité, à part nous, les gens qui ont passé du socolica à l'église, hein, dans ma permanence, et en gros, quand on a mon frère Momo, pour lui à la manière des hommes, dans la peine de Bokino Nambawa. Bien de la chair, on va dire, frère Mongo, à l'ouli mon bagan, n'a ma mèche, autant de peut-être l'ouli. Et dans tout le reste, les frères, ils ne sont pas plus de l'ouli, ils ne sont pas là. Naturel. Mais comment tiens allé tomber amoureux d'une sœur avec de telles choses, la sœur que toi tu es pas là? Parce que comment ça fait commencer comme ça. Et maintenant, on est venu qui est mon centre.
voit une sœur avec des histoires là, il tombe amoureux. Eh, mais tu t'es tout. Tu l'as vu comment? Parce que c'est pratiquement impossible. Tout le monde a vraiment la sœur qui t'en parle. La sœur m'a dit, c'est-à-dire, si on tombe amoureux, dans la sœur qui t'en parle, voilà ma connaissance. Parce que c'est ça notre truc que les années vous bénissent. Donc, je veux seulement vous faire comprendre que la beauté de la femme, disons-nous un peu la vérité. On a dit que ceux qui, moi, c'est un tiers, ma bilan, on a dit, bah, d'abord, ma bilan, moi. Bon, ma sœur, t'es en maillard, attends, ma fête. Attends, t'es au bout qu'à montant, eh, il y a, après ça. Au bout, il peut serrer, mais il y a, mais ça ne faut pas, mais tu sais qui voit, sauf que c'est bon. Sauf qu'il tombe à la maison, mais à boire, il m'a dit, bah, sauf que ça va la carte. Dieu, si une femme naturelle peut attirer les gens, mais une femme qui ajoute, ça sera scandale. C'est une femme prostituée. Parce qu'une femme qui attire les hommes, c'est une femme prostituée. Parce que depuis qu'elle est sortie de sa maison jusqu'au marché, elle a fait tomber combien de hommes? Voilà pourquoi la femme doit être vêtue d'une manière décente, bidère, avec modestie. C'est-à-dire que tout son corps peut être gardé. La beauté doit être à l'intérieur, parce que si ça sort à l'extérieur, c'est la divinité étrangère. Elle peut faire tomber les gens facilement. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas l'assemblée de ceux qui imposent les gens comme ça, mais si vous demandez à Moïse, il a dit à son église, hé, ôtez les ordres. Jacob, des étrangers. Esaïe, c'est-à-dire, c'est ça. Mais pourquoi les femmes ne doivent pas mettre toutes ces choses-là? Et bien, chapitre 3, verset 3 jusqu'au 5e verset, faites ça égal à Timothée 2, 9, 11, jusqu'au 13e verset. Et bien, 1, 3, 3, 5, et Timothée 2, 9, jusqu'à 12e verset, c'est-à-dire Dieu veut que la beauté de la femme soit intérieure, dans le cœur, non à l'extérieur. Alors, si une femme met ces histoires-là, c'est vrai, elle sera belle, mais qu'elle sache qu'elle a péché contre la doctrine, contre l'enseignement. Nous avons vu ça. Depuis la conscience, d'ailleurs, ça c'est très grave. Genèse 35, ce n'est pas la loi. Genèse 35, c'est depuis la conscience. Jacob a refusé ça. Dans la loi, Moïse interdit ça. Et ici, dans l'épître, témoignage de Dieu et de toi, au Mégadé. Ce que nous appelons doctrine, c'est les commandements, c'est les mots d'ordre. Est-ce qu'une femme, non. Suivez-moi très bien. Dieu était le premier à relâcher sa moutoué lamba. Parce que Dieu est dans la pensée de vêtir l'homme, c'était pour cacher sa nudité. Et c'est lui qui a caché l'animal. Cet animal-là s'est trouvé où? Cet animal qu'il a immolé dans le jardin d'Eden s'est trouvé où? Lui-même l'a mangé. Il vient seulement avec la peau chez l'homme. C'est Dieu le premier couturier qui a mis les vêtements sur l'homme. Mais ce que nous refusons, c'est quoi? Quand je parle de vêtements chez la femme, même chez les hommes aussi, il y a des hommes, les vêtements qu'un frère ne peut pas porter. Que ma personne ne l'a pas vu. Non, non, là. Pourquoi? Parce que tu peux scandaliser les gens par ta façon de vêtir. Est-ce que vous me suivez? Tu as le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit peut t'enseigner oyoté, 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 oyoté. Mais voilà ta loi, joker, mon oyoté. Voilà ta présentable, mais avec modération. Mesdames, mes frères, bonsoir. Tiens, cravate, coton. Tiens, chemise, coton. Pantalon, tu as la forme de matériel sur ton attaque. Mais à lui, mon oyoté. La chose un peu présentable, mais à l'au-delà. Tu as le Saint-Esprit qui est au-delà. Quand je parle comme ça, je ne dis pas aux sœurs,
Ton corps c'est pour ton mari. Ta beauté c'est pour ton mari. Une soeur ne peut pas aller tirer là-bas. On va la faire se changer de vie. Dieu ne va nous la mettre prostituée. Ta façon, c'est-à-dire, tu ne dois pas t'habiller pour plaire aux gens de l'extérieur. Premier homme, première personne qui ou une face c'est là, c'est ton mari. On l'a dit pour naïe, non pour la moutouter. Voilà comment est-ce que la doctrine corrige les esprits des gens. Alors, tout ajout, c'est contre la savoir parce que la pensée est que la femme soit naturelle et que sa beauté soit à l'intérieur. Est-ce que tout le monde m'a compris? Tout le monde a compris cet enseignement. Je dis que la doctrine, c'est l'ensemble de l'enseignement. La doctrine, c'est la mise en pratique. Il y a les doctrines des églises, mais il y a la sainte doctrine. Parce que les gens posent toujours des questions. Mais la doctrine, là, c'est quoi? J'ai expliqué la doctrine comme l'enseignement. J'ai expliqué la doctrine comme la mise en pratique de l'enseignement que vous avez ici. Dieu a mis son enseignement dans les cœurs des gens sous la forme de la conscience. Après la conscience, cet enseignement est venu sous la forme de la loi. Le Christ est venu dans l'évangile pour trancher, pour donner les instructions, l'enseignement. Et les apôtres, je vais me répéter pour dire ceci. Notez ça, et c'est très important, parce que beaucoup de gens confondent ces choses. Avec l'homme fort, Dieu se montre fort. Avec les faibles, Dieu se montre faible. Il faut que j'attire votre attention, parce que beaucoup de gens oublie ça, c'est un petit détail, mais qui est très important. L'église de Jérusalem, au commencement, c'était une église judéo-chrétienne. L'église qui a commencé à Jérusalem, c'était une église judéo-chrétienne. Je sais pourquoi je dis comme ça. Parce que vous allez voir dans les épîtres, dans Zoluma, Mali est tout fêté. Pour la Katari Basuki. Sur la tienne, dans l'histoire, tu trouveras quelqu'un qui est sur. Vous dites quoi? Oh, par Paul, par le mal, il y a moi la doctrine. Mais conférence à Jérusalem, ma canaïque, Mali est tout fêté. Comment bien vous voulez tout fêté? Les années m'épitrent. Il faut que tu comprennes ça. Pourquoi Paul a Katari Suki, alors que tout ça attend, il y a l'épitre? Il y a beaucoup de Katari Suki. On voit que ma quoi ici, foi dans le monde. Tu dois comprendre que l'église de Jérusalem, c'était une église judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne, c'est-à-dire quoi? Il y avait des juifs, il y avait aussi des chrétiens. Alors Dieu ne pouvait non plus, à quelqu'un qui a mal à mon côté, imposer la grâce dans sa totalité, ça marchait petit à petit. Donc, Zambé, à Taboulana, Bissou, le coup de papa, à Taboulana, Banda. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas porter maintenant. Mais ma camisou, le bureau, mais maman, la facilité. Tu sais, aujourd'hui, il y a d'autres choses, tu pries. Je ne te réponds pas. Non, parce que nous avons validé, non. Il veut que tu ne sauras pas ça maintenant. Mais demain, ça sera facile. Il y a comme ça. Dieu cache d'autres choses, mais nous, bien l'accès. Alors, quand il a commencé, l'église à Jérusalem, suivez-moi très bien. Je vais vous donner quelques temps pour quelques questions. Dans l'église de Jérusalem, vous êtes fatigué, Jérôme? Vous êtes fatigué? Quand Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a trouvé qu'en Israël, il y avait des doctrines. Et ces doctrines-là sont nées quand? Venez, suivez, ces doctrines-là sont nées après la déportation. Après la déportation. C'est-à-dire, avant la destruction du temple, Israël n'avait qu'un seul enseignement, une seule doctrine, un seul lieu de culte. C'était le temple de Jérusalem. Quand le temple de Jérusalem fut détruit, qui ont détruit le temple de Jérusalem? Qui ont détruit le temple de Jérusalem? Les Syriens. Maladie.
Passez-les en revue. Qui ont détruit le temple de Jérusalem? Frère l'État, qui ont détruit le temple de Jérusalem? Jobel, qui ont détruit le temple de Jérusalem? Jaïbé, qui ont détruit le temple de Jérusalem? Hein? Et puis vous, toi, et puis. Qui ont détruit le temple de Jérusalem? Et. Bah, remets ce coup. Où y a quelqu'un? C'est pas, 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 Babylone. Quand Babylone a détruit le temple de Jérusalem, Israël a perdu quoi? Sa terre, son temple, son culte. Le sacerdoce est parti. Depuis la destruction du temple de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, Israël a besoin de son roi T. Roi Hérodouana, Azraï Israélite, Azraï Edomite. C'est pour accomplir Osée chapitre 3, 1, 3. Israël restera longtemps sans roi, sans sacrifice, ni statue, ni effort. Quand le temple fut détruit, Israël est dans la dispersion. C'est alors qu'il y a eu des mouvements de résistance qui étaient nés pour protester contre l'occupation de la terre. Il y a eu des pharisiens. Pharisiens, c'est-à-dire c'était des gens comme les gens des assemblées des saints. Pharisiens. Les gens qui se sont opposés au Seigneur Jésus-Christ, c'était des pharisiens. C'est écrit comment? Il ne savait pas que Dieu sortait dans les Écritures pour accomplir sa propre parole. C'est-à-dire, le mouvement là sont nés et tous ces mouvements là formaient des sectes. C'est-à-dire, vous avez des sadducéens, vous avez des pharisiens, vous avez des hérodiens, vous avez des zélotes. C'est pourquoi qui opposait au Seigneur Jésus-Christ que moi si mon baba là qui est dans le sambo. La résurrection aux alas, moi si en a. Manan Batouna qui est soit dans ce mouvement de la Yamana. Il faut penser. Donc, comment dire l'apôtre, il faut que ça va te faire un sima. C'était les sadducéens. Parce que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Bijou, tu me suis? C'est-à-dire, il y avait des doctrines et des doctrines. Maintenant, ces doctrines-là, quand l'évangile est venu, toutes ces doctrines-là se retrouvaient tout autour du souverain sacrificateur et cette réunion-là s'appelait les Sanhédrin. Sanhédrin, au Canada, il y avait une doctrine tout autour du souverain sacrificateur. C'était comme le parlement. Il y avait un mot qui s'est décidé. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner, il a trouvé toutes ces doctrines-là. Et toutes ces doctrines-là se réclamaient de Moïse. Voilà pourquoi dans Matthieu 23, il dit, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Vous enseignez. Et tout se réclamait de Moïse, mais chacun interprétait la loi de sa façon. Et maintenant, l'autre. Ils sont même interprétations et maintenant, l'autre. Même la terre à Jésus, les arrêts. Comme les zélotes ne croyaient pas que Moutarou fout un pot. Quand les gens posaient, bon, est-ce que c'est pour toi foutre un impôt, ils défendraient leur doctrine. C'est-à-dire que chaque doctrine venait pour éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cette pensée-là, dans cet état de choses, que les pierres ont prêché. Vous voyez que nous sommes tous ensemble sans casque avec la pierre. Nous sommes tous en résistance pour avoir la pierre terre. Pour la pierre, la terre, la yuda, ce que mon yuda. Il y a un Messie qui est Yesu.
Alors que et attendez, mais si n'est que Samson et Kabete et ma Félicité, bon, on va dire la Messia, il y a bête ma Palestine, là, ma Romain, pour on va récupérer ma Bélé, ma Romain, toi tu viens prêcher Jésus-Christ là qui est mort, celui le Messie. Messie, ah, mais Christ ne meurt pas. C'est-à-dire que pour eux, ils étaient dans c'est pas pour rien, mais quand Christ est ressuscité, ils ont posé, bon, maintenant, tu es mort ressuscité. C'est dans ces temps qui c'est que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Ils ne posaient pas des questions comme des chrétiens, mais ils ont posé des questions comme des juifs. Je vous montre le contexte où l'évangile a été prêché dans Jérusalem. Voilà pourquoi pour convaincre de telles personnes, il faut être bien enseigné. Si on prend les pasteurs de Bible, ou les Lonatan ou Israël, ou ton dit matin, on était là et sur le canal, mais matin. Mais ils ont commencé, les pierres ont commencé à entrer dans la loi, les puissants, les prophètes, les enseignants sur Christ. Maintenant, dans ce contexte-là, les juifs restaient juifs. Même les pierres-là, vous savez, pour un peu, ça fait quelques détails. Vous savez pourquoi? Emma, tu comprends pas? C'est pour mettre une balustrade sur quelques exceptions qui se trouvent dans les Épîtres. C'est quelques exceptions. Alors maintenant, pour les pierres, ils étaient chrétiens, mais avec la pensée juive. Qu'est-ce qu'il prouve? Pierre a eu faim, il dormait, il voit une nappe qui est descendue du ciel, attachée de quatre côtés. On dit tu et manges. Alors, rien de pire est entré. Rien de pire, mais Christ est mort à la croix de Golgotha. Pourquoi? Christ est mort pour enlever ce qui est de l'impureté. Mais Pierre dit rien de pire. Cette pensée-là n'est pas la pensée chrétienne, c'est la pensée juive. Parce que selon la loi, les juifs ne mangent pas n'importe quoi. Dieu dit, ce que j'ai déclaré pire, tu ne peux pas déclarer ça impur. Tu et manges. Quand il se réveille comme ça, il voit qui? Il attend Corneille. Les gens de Corneille sont venus. L'appeler. Pierre se réveille comme ça. Ça dit, les animaux impurs là que je vis, ce ne sont pas des animaux, ce sont des païens. Quand il entre chez Corneille, il dit, vous savez que nous les juifs, voilà, quelqu'un qui est déjà dans l'église, mais c'est réclame juif. Vous savez que nous, les juifs, nous ne sommes pas autorisés de venir rentrer chez vous. Mais Dieu m'a enseigné de ne pas considérer les choses impures. Qu'est-ce qui était impur? Les animaux impurs. Et pendant que Pierre prêchait, Actes 10, 47, 48, le Saint-Esprit est descendu. Les gens qui étaient dans la maison de Corneille étaient baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, les gens qui étaient avec Pierre là se posent même la question. Quand on a assemblé le Seigneur qui va en battre tout il n'est pas obtenu une bonne chose. Ah, ça, mais Abino Kakako. Parce que ces gens-là qui étaient avec les pierres, ils ont dit pourquoi on va se voler mon sang? Il y a un mal à ça, mais il faut sortir dans l'esprit de secte. Amen. Les Zabazara en Abino. Les Zabazara en Abino partout. C'est notre bonheur. Mais Abino partout, on a tout le monde appelle doctrine. Pour Dieu ne peut pas dans le bazar de partout, l'église, moi, ça a été à Tidin, Zambé, pas ça, Zambo, la Tokessanina. Pour Zambé, la mission ne peut pas se contredire. Alors, je vais dire quoi en un mot. Ces gens-là baptisés du Saint-Esprit, là, Batoubazar, il a bien commencé à se poser des questions. Tu vois ce contexte-là? C'est dans ce contexte-là que l'église a commencé dans Jérusalem, Samarie, Judée. Maintenant, quand l'église arrive dans Samarie, il y a eu les juifs qui ont crié à l'évangile. Ils sont venus à l'église comme ça dans Pérou. Ils ont commencé à dire, bon, des ans, il faut va circoncire Binonius, va kata Bino Pengeta. Des ans, bon, il y a Biloko. C'est dans l'église, hein? Ce débat-là a commencé dans l'église. Maintenant, les frères ont dit, si tel est le cas, ça ne veut pas aller. Retournons tous à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem. Arrivés à Jérusalem, Paul et Barnabas, ils ont raconté comment est-ce que le Seigneur a marché avec eux. Quand ils ont fini de parler, Pierre se lève. Il
Il a commencé à parler. Après Pierre, les frères Jacques. Les Jacques là, c'était les frères, les petits frères propres de Jésus. Vous savez ça? Les petits frères propres de Jésus, Jacques. On a dit mon côté église à Jérusalem. On a dit chef. Alors maintenant, Jacques s'élève dans Actes 15, 14, il dit, Simon a raconté comment est-ce que Dieu a jeté les regards parmi les nations pour faire sortir du milieu des peuples qui portent son nom. Je suis dans la vie. Maintenant, les recommandations que les apôtres ont fait, et c'est grave, hein, la signature était comment? La signature de la recommandation était comment, Frédéric? Nous et le Saint-Esprit avons déclaré que des avons voulu la viande de sacrifier aux idoles, voulu tout fêter. La recommandation est dans Jérusalem. Vous voyez? Maintenant, si tu rencontres quelqu'un, il te montre ça. Voilà, les apôtres étaient réunis avec le Saint-Esprit. Ma pexa, il va tout balayer à Makila, tu veux balayer à Makila pour aller. Vous voyez, j'ai donc des exceptions. Parce que le frère Pierre est venu nous enseigner, balayer à Nios Baroteka, na Wenze. Pourquoi? Dans ce temps-là, l'église de Regina nous, judéo-chrétienne. C'est-à-dire que, Zamba Kouke, comme le moment, la perfection dans le temps, dans le temps, le moment, malé, petit, ma cola. Colombo la mobe, coboye, mobiba, pour la barre, Zaki, le la nourriture solide, il ne pouvait pas croire. Tu me comprends? Tu vas comprendre. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un, sur lui, Kouka, t'as su qu'ils ont les pitres. Parce que je vous ai dit que la doctrine, c'est l'enseignement des apôtres. Tu vas rencontrer Paul à Katisuki. Mais pour la carte est sur pour nous sur notre carte souki. Pour la carte est sur la stratégie pour Bayo qui kiyé awa komi azote ya partout grâce. Bon carte souki au compte car dans Jérusalem pour balo baké. Yo ne mozawana oza contre loi à Moïse de temps à compte temps à carte souki te lugué les problèmes plusieurs des ans. Tawa moni dans Jérusalem pour tout tient pour lui. C'est-à-dire que ce sont des stratégies. Ce n'est pas la doctrine que nous devons appliquer ça aujourd'hui, mais c'est la méthode que Dieu s'est servi pour que l'évangile entre. Tout le monde a compris? Amen. Donc au-delà de la doctrine, Dieu se sert aussi des méthodes pour évangéliser. J'ai dit, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, des questions, petitement. On va terminer dans quelques minutes. J'ai besoin de quelques questions rapidement. J'entends des questions. Oui, donne-nous bien les mains. Bonsoir, je voulais juste savoir, y a-t-il une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, oui. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. Question? Donne à la sœur. Eric. Oui. Jacques, petit frère à Jésus, petit frère à Jésus, côté à Marie, et à Joseph. Côté à Marie, là, Joseph. Marie, là, Joseph, Jacques. Joseph, Jésus. Donc, à part Jésus, Jésus a dit Yaya. À part Jésus, Marie, là, Joseph. Marie, là, Joseph. Marie, là, qui m'a doté de ma catholique, moi, c'est un mot. Moi, c'est un mot. Pensa que, après Moïse, Joseph a continué qui? Parce que Joseph a dit que l'ange de Moïse a exhorté. Alors, quand Joseph a dit que l'ange de Moïse l'avait exhorté, papa, prenez ce verset-là rapidement. Lise ça, c'est très important. Matthieu chapitre 13, verset 40, Matthieu chapitre 13, verset 55, 56. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères?
Uh-huh. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Voilà. D'où lui vient donc cette... Donc, Marie-Bana, Joseph, la Marie. Joseph, la Marie. Oui. Attends. Je parle rapidement. Oui. Il donne à la sœur là-bas. Merci beaucoup. Pourquoi Moïse avant de tuer, avant de tous les deux côtés, de gauche à droite, et alors ceux qui attendent côté mon corps et l'autre. Ah, bon matin. Mais pourquoi? Au monde même, toujours Théa, il faut t'en continuer à souvenir malé. Sauf t'en continuer à souvenir malé. Je t'explique parce que, aux âmes, toujours en français, bon. C'est-à-dire qu'en réalité, quand nous expliquons les Écritures, je donne un exemple très simple. Ma fille qui est de bénir, c'est une belle question. Je regarde ici, je vois qui? Jacob avec quatre femmes, non? Jacob avec Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Si je prêche comme ça, je n'ai pas bien prêché. Mais tout le monde dit Jacob, Dieu l'a aimé, il était polygame. Mais si je regarde, je vois Jacob, avant de voir comme ça, il faut que je regarde comme je verrai Christ. Christ avait 12 apôtres parce que l'évangile lui a permis d'avoir 12. Ah, c'est-à-dire que c'est Jacob-là. N'était que l'ombre de Christ. Ça devient la prédication. Quand je regarde comme ça, je vois Abraham. Quand il avait 99 ans, Dieu est venu dans une année pour ajouter une année. Et dans cette année-là, c'était Isaac. Quand je retourne comme ça, je vois un pasteur qui avait 100 brebis. Il manquait une. Quand Christ est venu, il a complété la brebis. C'est nous l'Église. Quand je tourne comme ça, je vois. Je vois un bœuf qui a frappé l'esclave de quelqu'un, on a payé 30 cycles. Quand je tourne comme ça, je vois Jésus-Christ frappé, on a payé 30 cycles. C'est-à-dire que dans la prédication, il faut toujours faire ça. Amen. Il faut toujours faire ça. Amen. Donc, si tu vois d'un côté, au moins on a à Moïse, mais quand tu vois ça, tu vois la réalité et c'est Christ. Vraiment. Tu as compris, maman? Non. Si quelqu'un voit seulement un seul côté, à Oufa, il faut voir tous les deux côtés. Oui, allons-y. Permettez que j'aie quelques explications, puisque hier j'étais peut-être de la confusion, mais dans mon avis, on voit beaucoup mal. J'ai entendu un pasteur de nous, de l'Assemblée des Saints, qui prêchait que les prophètes donc, ne seront pas élevés avec nous. Donc, ignorance. Alors, après ces références, on a vu dans. Apocalypse 6, 9, à lui, quand il ouvrait le cinquième sceau. Attends, ça va côté. Ça, c'est une grande ignorance. À Zamoutou, parmi nos enfants, le roi Batoubalimara ou fabriqué au matériel. Quand l'agneau brisa le cinquième sceau, j'attendis sous l'autel les âmes qui criaient vengeance. Maître saint, véritable, jusqu'à quand? Tu vois? Les âmes là qui crièrent vengeance, on leur a dit de se tenir en repos jusqu'à ce que sera un homme, qu'on peut leur nommer, de leurs frères qui seront tués comme eux. Maintenant, il retourne dans Matthieu 23 pour dire, où est la arme, tout peut s'avoir mal utilisée. C'est-à-dire qu'il rentre là-bas pour dire que le prophète est à bonté. C'est une grande ignorance. Hébreux chapitre 11, verset. Tendez jusqu'au 40e verset. Les bien-aimés, Paul explique clairement, noir sur blanc, sans chercher l'interprétation. C'est là qui ont été martyrs, torturés, sciés, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant envie de quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans. Les femmes recouvrèrent leurs enfants, leurs morts par la résurrection, refusant la délivrance pour obtenir la meilleure résurrection qui leur a été promise. C'est-à-dire, c'est comme Christ a dit, les fils de l'Orient seront chassés, mais vous allez voir sur la table Abraham, papa Yoken,
N'enlève pas Barabbas à la tête. Mais tu veux m'enlever. Matthieu chapitre 27, verset 54 à 55, verset, quand Christ cria ce jour-là, les rochers s'effondrirent, les morts, les corps de ces ressuscitèrent au terme de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent la manifestation pour qu'ils ne parvenissent pas à la perfection sans nous. C'est-à-dire, dans l'enlèvement de l'Église, nous serons là avec les prophètes comme les invités pour voir l'épouse qui est l'Église. Je parle comme ça. Je termine comme ça. Allez-y. Merci pour la parole. Moi, je voulais poser la question. Je suis née dans l'Évangile. Ce n'est toujours pas clair, c'est quoi. J'ai aussi entendu parler des ornements, mais je n'avais pas touché ce point-là. C'est le point de l'alliance. Je voulais être éclairci parce que quand vous me prêchez, on n'est pas obligé de porter les bijoux, les ors, tout, tout, tout. Je voulais savoir la différence entre l'or qu'on porte, comme boucle d'oreille, comme chaînette. Si c'est dans notre doigt, quelle différence y a-t-il que dans le doigt c'est permis, mais quand c'est dans l'oreille, très belle question. La montre ici, la montre, j'ai porté la montre pour un but. C'est vrai, à valider à l'âge de l'alliance. Et ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est que vous avez dit. Mon tout soit à l'âge de l'alliance, sera à l'équipe, à tout le monde, à vous et à Bala. Et là, on va montrer. Et que c'est un bijou pour toi, la terre. Sauf que chez nous, dans l'évangile, pour la terre, la terre, l'alliance, t'es. Dans l'église, pour la terre, la terre. Mais si je trouve une soeur à la terre, à la terre, dans l'état, dans la commune, je ne dirai pas qu'elle a péché parce que, voilà, la terre, on a signification. Mon toi, la terre, bijou à la terre, sans signification. Il a la signification, t'es. Parce que, soeur, on est à Bali. Tout le monde a dit, mon toi, pour faire du mobile dans le monde. C'est-à-dire que Esa, Moutouana, dans le rôle, ça n'a rien à voir avec la doctrine, mais dans le cola, dans le lengue à Batou Yakobika. Mais nous refusons une église où on ne peut pas le sabbatou, là, c'est ma mon alliance. Là, ça devient la doctrine. Mais quand tu pars à la commune, ou là, tu as la commune, tu ne diras pas, mais, non, la rôle à traité. Moi, je trouve que, on est dans le débat. Et là, par rapport à la doctrine, maintenant, par rapport à la Rubik à Yabat. Et ça se diffère avec. Au moment où nous dans une bijou à la tienne, ça explique quoi? Il n'y a pas une signification. C'est comme nous dans une bracelet à la tienne. Bracelet à or, ou la tienne. Ça explique quoi? Mais nous dans la tienne montre un or. Montre un or, ce n'est pas péché par rapport à bracelet à or. Parce qu'il y a. Il y a un motif qui t'a poussé de porter ça. Ça, c'est l'orgueil, mais ça, il a porté ça pour indiquer le temps. Ça, c'est différent. Alors maintenant, dans la doctrine ici, dans l'Église, qu'est-ce que nous refusons? Moi, j'aime que les gens fassent la différence entre ce qui est doctrinal et ce qui est comme les rites, les rituels de la vie. Exemple. Token à collation, ma frère, malade si ma robe à chapeau pour ma salle à licencier, tout comme ça. Ça, c'est pas la doctrine. Moto à Keïne, tu n'as fait un mariage à la tivoile à la tivoile. Il a pembe. Vous n'allez pas dire que ton ami il a pas pembe. Tu vois la tana noire. On va vous demander l'écriture. Ça, ça n'a pas de sens. Botolingi va marier, pas contre la beauté, pas contre la beauté. On va vous poser la doctrine. La doctrine, c'est ce que l'enseignement a empêché. Alors maintenant, exemple net, parce qu'il y a la société est faite de mœurs. La société est faite de rites, de rituels. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la société s'il n'y a pas de rites. Bah, rites, rites de passation, rites, les alcools, la moto. Pour comme licencié, il faut attendre un peu. Mon tout pour aller faire classe, il faut attendre un peu. Ce sont des rites où il y a des sociétés là. Maintenant, vous n'allez pas prendre de ces rites pour me marrer la matière doctrine. Non, doctrine c'est autre chose. Mais ce que nous refusons est que dans l'église, on impose ça comme la doctrine.
là nous refusons. Moi je suis le premier à ôter que mon toilette en alliance et mon toilette en beauté. D'ailleurs, moi je ne bénissais pas même les mariages. Mais après le partage, j'ai compris que d'autres choses, on confond société à Batouma doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des choses, n'est-ce pas, il y a des choses, mais bien l'anniversaire, parce que l'apôtre va s'en l'anniversaire. Il y a tout un débat comme ça. Ouais, mon toisson anniversaire est là, Pharaon. Mon toisson anniversaire est Hérode. Mon toisson anniversaire. Bon, si tu poses la question, pourquoi vos obos anniversaire? Pour tout le monde, mon sang, tout le monde, ça, la Bible était. Bon, verset, mais si mon toisson anniversaire? Maintenant, on se pose des questions. Vos obos anniversaire, pourquoi? Parce que mon Dieu soit le jour où je suis né. Il y a un monde de pénis, mon toisson anniversaire, là. Si vous savez, tous les coups mis à mon zambé pour mon tapoufi, mon tapou mis à mon zambé pour mon tapoutami. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses où nous avons fait ça la doctrine, mais après avoir repoussé, on a compris que ce n'est pas la doctrine. Donc moi, ce que je ne ferai jamais dans l'église, ma mariée baillée, ma pêche sur alliance, pour la alliance, la gâte, je ne ferai jamais parce que ça n'a rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Mais si les gens partent dans la commune, ils arrivent, ça va vous débloquer la commune, vous voyez sa mère, ils sont là. Non, non, ça, c'est autre chose. Voilà ce que je promettais. Maman. Merci, papa. Je voudrais juste avoir une question, s'il apparaît, que vous avez de parler. Concernant la notion, parce qu'il y a les gens qui changent, ils prennent des trucs, mettre là-dedans pour changer sa peau. Péché. Là, il a contredit Dieu. Il a contredit Dieu. Pessa, frère. Là, le 16 ans, avec les âmes, ça, là, il m'a bien, il m'a bien, oui. Merci, Père. Nagina, moi, si, Oyo, à Kayen, à Bada, à Outa, Wapi. À Outa, et pas à Adam. Et puis, explication, il y a Esaïs. 54 et 10. Pourquoi alors en faire le jeu de Christi? Pourquoi en faire vous allez exister à ce qui vous expliquer Esaïe 54 et 10. Esaïe 54 et 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ça dit quoi, frère? On n'a pas de questions à faire de l'orban. Ah, c'est-à-dire, pourquoi l'amour de Dieu, mais l'affaire encore? Évangile, c'est dit tout d'abord la première question que les gens de l'église de moi aussi posent beaucoup. Actes chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire, acte 17, 26 détermine que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Donc, Caïen a routala la batou sous terre, batounios routala la moto mort. Maintenant, qu'est-ce qui complique les gens? Genèse 4. Je réponds ça rapidement. Qu'est-ce qui complique les gens? Donc, Batwakanisaka, Moïse a commis le colam. Adam, Azalakina, moi, Sinaï, Eve. Babali, Maboti, Caïn, na Abel. Caïn a bombé Abel. Ce qu'on caille à Kimi, il est parti, lui, à Kebala, moi, Swabi. Mais il oublie que, tu me rappelles toujours les Français. Donc, il faut que je retourne. Les gens posent aussi des questions là-bas. Ok. Alors, maintenant, ce que les gens oublient, c'est quoi? Faisons un petit exercice. Prends un peu ta Bible, frère Milan. Genèse 4. Genèse 4, verset 16. Lis ça rapidement.
Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans la terre du Nord à l'Orient d'Éden. Verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Maintenant, où est-ce que Caïn a réussi cette femme? Genèse 5. Verset 1 jusqu'au 4 verset. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Adam. Frère, alors, Genèse 5, c'est la Genèse 4, il y a des animaux. Non. Genèse 5, Balamé. Genèse 5, Balamé, de l'évangéliste. Voici le livre de la postérité d'Adam. Verset 2. 1. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Il le bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Attends, entre Genèse 5 et Genèse 4, qu'est-ce qui vient avant? C'est 5 de 20. Jean-Bert, dis-moi. C'est-à-dire, Moïse a commis la macaïe, mais il a commis le sucre, il a commis la vie à Adam. C'est-à-dire, Genèse 5 et 2, on a dit, bonsoir, Genèse 4. C'est bon. Maintenant, quand les gens prennent Genèse 4, Genèse 5, là déjà, c'est avant Genèse 4. Sauf qu'il a écrit des songes. Maintenant, il faut avoir l'esprit de Dieu pour mettre ça. Parce que Adam a Ève, Mabotara a Caïn a Belté, Mabotara a Manane, allons-y. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ah, donc Adam a botté la balle de l'âme dans la base. Ça veut dire que Caïn a balle la de Konaï pour ma personne qui l'a moqué. Alors, l'enfer existe parce que Dieu, dans son amour, a tenu moto la vie et la mort. Il a demandé à l'homme de choisir. Dieu ne force personne. Si la personne choisit la vie, il est sauvé, il exploite, il expérimente plutôt la mort de Dieu. S'il choisit la mort, il perd, il part dans l'enfer. Frère Jamal, pose la question des gens qui sont en ligne, comme ça je réponds. Je vais revenir rapidement, dans un quelques minutes. Tu as aussi la question, Jobert? Ok. Allez-y, allez-y, frère Jamal. Ma question, c'est moi, je suis terminé, ça va être la question. Oui, allez-y. Oui, oui. Juif, d'ailleurs, tout d'abord, je vous ai expliqué ici que Israël, avant l'entrée de Cana, ils étaient appelés les Hébreux. À l'entrée de Cana, ils sont appelés les Israélites. Après la déportation babylonienne, ils sont appelés Juifs. Différence est que les Juifs descendent de la tribu de Juda, qui représentait aussi la maison d'Israël, et les chrétiens, ce sont les gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ça, c'est différent. Les Juifs, hasard, monté à Kitane, dans Balida. Mais aujourd'hui, parce que Christ est mort à la croix de Golgotha, il a renversé les murs de la séparation. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent aussi considérer comme les Juifs, mais les Juifs spirituels. Sauf que Juifs naturels comme ça, ils ont un bon ami, Makila et Jacob, Abraham, tandis que les chrétiens, c'est ceux qui sont nés dans le Seigneur Jésus-Christ. Autre question, Jamal. Deuxième question, c'est le si Jésus était à Jérusalem, étant chrétien, Non, Jésus-Christ n'était pas un chrétien. Il faut bien comprendre ça. Chrétien, Jésus-Christ n'est pas un chrétien. Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Lui n'est pas chrétien. Les chrétiens, ce sont les gens qui ont suivi Jésus-Christ. Acte chapitre 11, verset 26. C'est-à-dire que c'est dans Antioche qu'ils ont appelé pour la première fois les chrétiens. Les chrétiens vont dire, ah, bateau, va le roi Yesu, hein? Mais les chrétiens. Mais Yesu a voulu la parole. Oui. Frère Jamal, tu peux venir arranger ici. Oui, allez-y.
Ok, troisième question, Zali. Si le judaïsme est c'est pas introduit. C'est pas? Si le judaïsme n'est pas introduit, mais une religion. C'est une religion. Alors, le chrétien, pourquoi les chrétiens ne couvrent pas leur tête aussi longtemps que les juifs couvrent leur tête et même. C'est une autre doctrine. Le judaïsme, c'est un mouvement qui est différent du christianisme. Le judaïsme, bien que judaïsme, islam, christianisme, ce sont des mouvements abrahamiques, ce sont des religions abrahamiques, mais le christianisme se repose sur Torah, sur la loi, tandis que le christianisme ou bien l'Église se repose sur la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des lois différentes. Ils mettent ça parce que leur tradition les pousse à mettre ça, à prier comme ça, mais nous les chrétiens, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans la dégoyo, toujours sans. Ok, il y a une sœur qui pose la question, elle s'appelle Cécile Modeste. Oui. Je voudrais savoir sur Romains 16, 7, qui est j'ignore. J'ai discuté avec une sœur qui croit au ministère de la femme. J'avoue que j'ai été limité. Pouvez-vous me l'expliquer? Pardon? Ce sont des compagnons de Paul. Ce sont des compagnons de Paul. Qui ont travaillé, la sœur Cécile, que Dieu te bénisse, je sais que je suis à partir de Paris. Dieu ne peut pas se comprendre. De 1 Corinthiens 14, 34 et 37, 1 Timothée 2, 9, 11. D'ailleurs, frère Paul est clair, il dit si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il est. Il faut aimer les autres là. Ce sont les gens qui ont soutenu, qui ont combattu avec Paul. C'est-à-dire que pour combattre dans l'évangile, il ne suffit pas être prédicatrice. C'est-à-dire que combattre dans l'évangile, il y a, même dans Luc chapitre 8, verset 1 jusqu'au 3e verset, le Seigneur Jésus-Christ marchait avec les femmes qui l'assistaient aussi dans leur bien. On peut combattre dans l'évangile d'une manière ou d'une autre, mais pas dans la prédication ni dans l'enseignement, parce que c'est un commandement du Seigneur. Okay. Le frère Hervé Fistongamo, online, il a deux questions. Abraham avait-il de Dieu étranger dans sa maison? Deuxième question. Pardon? Il demande si Abraham avait un Dieu étranger dans sa maison. Les dieux étrangers dans sa maison. Oui, vas-y. Deuxième question. Quand vous avez lu le verset qui parle de Jacob qui a demandé les dieux étrangers, il donnait les dieux étrangers. Et les anneaux, c'est pas deux choses différentes. Non. C'est-à-dire quoi? Dans le livre de Josué, chapitre 24, Josué rappelle à la maison d'Israël que leurs pères ont servi des dieux étrangers dans l'autre pays. Abraham était un étranger. Que les gens n'oublient pas tout d'abord. Abraham était un étranger. Dieu le fait sortir dans les pays de la Mésopotamie. Il amène dans Canaan. Et quand il reçoit la parole, c'est alors qu'il devient. Le peuple devient. Amen. Il avait déjà les dieux étrangers qu'il est venu, qu'il a rejeté après avoir reçu l'évangile. Alors maintenant, les gens qui marchaient avec Jacob, c'était normal qu'ils apportent leurs dieux étrangers, qu'ils marchent avec les dieux étrangers. C'était naturel parce que les réphidim, les autres choses-là, c'était les dieux étrangers. Même Israël, quand ils marchaient là, ils avaient aussi les dieux étrangers. Ça se diffère avec la loi, quand la loi est venue réglementer tout. Voilà, c'est ça. Ok. Question de frère Jean Didier Dinganga. Éclaircissement sur le diaconat. Oh, malheureusement. Beaucoup de gens parlent du diaconat, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que le diaconat. Peut-être j'aurai le temps de répondre. Le diaconat, c'est un service. Et dans les épîtres, nous avons vu, parce que la question, je ne sais pas si je suis entré dans la pensée de frère Jean Didier que je salue à partir de la France, il y a la question sur les femmes diacres, les femmes d'Emmen, les femmes diacres, que la traduction française pourra appeler les femmes diacres, la traduction second appelle dans Romains 16:1 diaconesse. Et que Darby parle de la servante de l'Église. En un mot, nous voulons dire ceci. Il faut que les gens comprennent tout d'abord le diaconat, ça fait quoi? Diaconat, leur travail, c'est quoi dans l'Église?
diaconats, ce sont des assistants des anciens. On ne peut pas avoir les diacres s'il n'y a pas des anciens. Ils sont des assistants des anciens. Ce n'est pas pour rien, il y a les critères. Alors, dans la Bible, nous avons vu des femmes servantes. Mais l'institution des femmes diacres, c'est-à-dire une femme diacre, l'institution, on n'a pas vu ça à mon avis, l'institution des hommes diacres. Mais cela n'empêche qu'on ait des servantes de l'Église. Il y a aussi les servantes de l'Église qui jouent le rôle de l'encadrement des femmes, qui jouent le rôle domestique, qui prennent soin des gens comme il faut aimer. Elles sont nombreuses dans l'Église du Seigneur. Mais est-il que les diaconats, il faut que les gens comprennent tout d'abord les diaconats. J'ai un enseignement sur nombre, je le ferai peut-être dans les mois d'août. Là, je vais donner, parce que si nos églises n'ont pas beaucoup de diacres et des anciens, c'est parce que les gens veulent spiritualiser tout. Il faut que les gens comprennent tout d'abord, les diaconats signifient quoi? L'anciennat. Les diacres, c'est un auxiliaire. C'est une aide des anciens dans l'église. Voilà, c'est ça. Ok, la dernière question, frère Willy, tout là. Le port du voile est-il obligatoire? Obligatoire. Une sœur ne veut pas mettre le voile dans notre église. Devions-nous la chasser? Si elle peut, si c'est une nouvelle sœur, on ne doit pas la forcer. Juste à ce qu'elle soit convaincue. Mais sans raison, on t'a oublié la reine de l'église, il faut vous aurez une mesure parce que ça devient la lèpre. Contour, que ceci, puisque comme ça, tant que n'a pas au contour, rapidement, on court vite. Vas-y, vas-y, ma sœur. Ça, c'est pas les cultes, hein. C'est pas les cultes, c'est les partages où les sœurs peuvent parler aussi. Allez-y, maman. Merci beaucoup pour ma question. Nazo, posez une question par rapport à Nina Lautena et Kunuku. C'est la première fois qu'on a prié l'ensemble des saints. Nalina Lina Yeba, pour un problème, il y a foulard, on a bouclé l'oreille. Et ça obligé, il faut que tu aies une église. Sors le mot sable. Ceux qui n'ont pas là. Ceux qui n'ont pas les arras sont les bons sables. Ok. Bon, on va la boucle d'oreille. On tient. Ok. Même là. Combien gardé. Zambé à la fin. Merci, papi. De rien. Ton zombie goto. Zambé à la fin. Rentrons comme ça, rapidement. Rapidement. Oui. Bonsoir, prophète. Bonsoir. C'est ma première fois de venir prier ici avec vous. Oui. J'ai une question à poser. Oui. J'aimerais savoir, quand Dieu a créé Adam, il avait quel âge? Pardon? Quand Dieu a créé Adam, il avait quel âge? Adam. Adam. Adam de jeunesse. Adam de jeunesse, oui. L'âge comment? Donc, l'âge, comme il avait créé, Adam avait quel âge en fait? Non, selon les textes bibliques, papa, dans ma jeunesse, on commence à compter l'âge d'Adam depuis qu'il a été créé. Depuis qu'il est créé, c'est alors qu'on compte l'âge. Mais non, Adam, parce que pour parler de l'âge, il faut que la chose existe. La chose qui n'a pas existé, comment elle peut avoir l'âge? Mais quand Dieu l'a créé, c'est alors qu'on a commencé à compter. Jusqu'à sa mort, il a fait 900, Genèse 5, Genèse 5, verset, papa, prenez le verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécus furent de 930 ans, puis il mourut. C'est-à-dire que Adam est mort à l'âge de 930 ans depuis qu'il a été créé. Quand il est créé, on commence à compter jusqu'à sa mort, 930 ans. Et il meurt à 930 ans pour laisser les 70 ans à David. Parce que Dieu lui avait dit que les jours où tu mourras, les jours où tu feras quoi? Tu mangeras, tu mourras. Alors un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc, Adam est mort à 930 ans pour ne pas totaliser 1000 ans. Maman Dédé ne comprend pas alors que c'est son ABC. Adam ne totalise pas 1000 ans parce que 2 Pierre 3 dit que 1000 ans c'est
un jour, il meurt dans 930 ans et ça manquait 70 ans que Adam est venu compléter, et plutôt David est venu compléter. Donc David a 70 ans, il meurt pour compléter ce qui manquait dans la vie d'Adam. C'est-à-dire que quand David vient, il totalise les 1000 ans d'Adam. Voilà pourquoi Christ régnera comme le roi de David dans l'âge, dans le règne millénaire. Merci. Je peux poser une autre question, Philippe? Oui, vas-y. Adam avait quelle race? Pardon? Il avait quelle race? Toutes les races étaient d'Adam. Parce que Dieu l'a récupéré de la terre. La terre a toutes les couleurs. C'est-à-dire que toutes les couleurs, noires, blanches, tout se trouve dans la terre. Je peux poser une autre question, Philippe, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Maintenant, d'où vient la race noire? La race noire est venue à partir de la dispersion. C'est-à-dire que toute la terre, tu vois, la carte qu'on a aujourd'hui de la terre n'était pas comme ça. La terre, selon la pensée des Genèse, était créée en Éden et tout consort. Mais après la chute de l'homme, Dieu a dispersé les gens. Maintenant, si vous voulez voir l'origine, ça c'est dans la Bible, noir sur blanc. C'est-à-dire, si vous voulez voir les origines des nations, c'est à partir de Noé. Quand Noé est sorti de l'arche, il y a ceux qui sont allés là, parce que même le Kish, c'est quoi évangéliste? Kish, c'est ça, madame? Éthiopie. Le Kish que vous voyez là, ce sont les Éthiopiens, les Égyptiens. Misraïm, c'est l'Égypte. Kish, c'est l'Éthiopie. Ça y est, la partie de Genèse 10. Mais à partir des enfants de Noé, c'est alors qu'on a commencé à voir le Misraïm, les Kish, c'est-à-dire Dieu a dispersé les gens dans le monde. Et c'est là que la race va régner. Merci. Ok. Sur le papa. Oui. Il y a un sous-entendu dans la première question qu'il a posée. Les jours où le Seigneur Dieu a soufflé dans Adam, quel âge était à proximité Adam? Mais l'âge commun, frère Abel. Adam n'a pas existé. Dieu est descendu, il a formé Adam de la poussière de la terre. Il vient. Quand il souffle, c'est la maternité. La mère d'Adam, c'est la terre, non? C'est alors qu'on a commencé à compter 1, 2, 3. Et qui a compté? C'est Moïse. Parce que Adam lui-même ne connaissait pas qu'il a 900 et quelques. C'est quand Moïse est venu, c'est alors qu'il est rentré. Parce que Moïse est le créateur d'Adam. Donc celui qui est venu maintenant écrire au commencement, parce qu'il voyait même le nombre des années là. C'est-à-dire, on compte le nombre d'années d'Adam depuis qu'il a été manifesté. S'il passe là, ça devient le raisonnement. Oui. Oui, merci pour la question. Je suis dans Hébreux chapitre 6, verset 4, verset 6. Je peux lire? Vas-y. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes. Quelle est ta question? Rapidement, parce que je veux savoir si il est impossible pour un chrétien qui, après avoir bien commencé et qui est tombé, soit renouvelé et amené à la repentance. Bon, la question doit être bien posée. C'est-à-dire quoi? Hébreux parle de il est impossible que quelqu'un qui a été éclairé, goûté, qui tombe, qui soit renouvelé et amené à la repentance. Tu vois, ce verset-là, avant que je l'interprète, je prends tout d'abord le contexte. Mais je peux l'interpréter. Parce que Hébreux 6, 4-là, pour l'interpréter, on fait comme ça avec Apocalypse 2. Souviens-toi là où tu es tombé et reviens. Comment Dieu dit que quelqu'un qui est tombé peut revenir, tandis que dans Hébreux 6, 4, on dit il est impossible que celui qui a été visité par Dieu, goûté, qui soit tombé et renouvelé. Ça, c'est tout d'abord, frère. Celui qui a écrit Hébreux s'adressait, parce que le livre des Hébreux n'est pas écrit pour les chrétiens. Premièrement, c'est pour les Hébreux. Mais là, il s'adressait tout d'abord aux Hébreux. Les Hébreux qui ont reçu l'évangile, qui sont rentrés dans le judaïsme. Il parlait tout d'abord d'eux. Mais là, il disait, c'est impossible que vous qui avez goûté l'évangile, vous retournez dans le judaïsme,
que vous soyez encore réintégrés. Il parlait de, parce que ça cachait la pensée de l'incrédulité juive. Mais je sors dans le contexte. Oui, toi tu es saint, non? Et il y a mon sang tout. Maintenant, je parle dans ce langage. Donc, celui qui a posé la question à mon sang, je parle dans ce langage. Sokomoni moi na Zambé. A quoi c'est que moi na Zambé? Ça dit moi na Zambé à quoi aller? Ça, c'est le langage de la perfection. Sokomoni na Zambé à quoi aller? C'est à quoi aller? Et c'est impossible. C'est impossible que celui qui a goûté le don du Saint-Esprit, à comme le niveau mon boy, il vous est impossible, c'est-à-dire à goûter, à yokate, à bikate, comme toi, à bika, à quoi il y a le niveau anate. C'est ça le langage de la perfection. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne pêche pas parce qu'il a la semence de Dieu dans lui. C'est une mise en garde pour dire que, comme moi, je suis enfant de Dieu, que je sache que. Et là, degré, bah, shit, mon sou, ce que je ne peux pas faire. Si j'arrive à ce niveau-là, c'est impossible. C'est-à-dire, Dieu ne m'a jamais connu. Voilà pourquoi dans notre évangile, nous disons, c'est le langage de la perfection. Jobert, maman Dédé. Rapidement, parce qu'elle est en haut, 22h déjà. Merci beaucoup pour sa colère. Avec question, mon frère Jaïbé Banzasu. Il est mort à poser. De toute façon, il n'y a pas la différence entre la doctrine et l'opinion dans l'église. Bon, je vais dire ceci. Je ne sais pas si vous avez bien suivi celle que j'ai parlé sur la doctrine. Ce qui était au début. Bon, la définition, après ça, il y a doctrine. Mais je pose la question. Vous avez suivi ce que j'ai parlé sur la doctrine. Tu as suivi mon intervention sur la doctrine. Tu as compris ce que j'ai parlé sur la doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'opinion. L'opinion, c'est quoi? Frère Paul a tranché déjà sur l'opinion. Je ne dirai jamais. Dieu de la chair ici, dans tel ami, j'ai dit, Dr. Jason, eux ont opinion en âme. Je ne connais pas la doctrine. Amen. Je ne peux pas dire ça, Dieu de la chair. Dr. Jason ne peut pas parler, eux ont opinion en âme. Église dans la mobilité militaire. Nous avons le même sentiment. Paul nous recommande d'avoir le même sentiment. C'est-à-dire, les prédicateurs dans une église, par eux, ont une opinion différente. Il y en a dans l'opinion, la maillot, dans l'opinion, dans l'opinion. Jamais. Ça ne se fera jamais. Ou bien vous êtes en retard sur un point. Et l'église n'est pas censée envoyer ma dire, ouais, à quoi elle a dit, moi, à quoi elle a dit, non, bon, tiens, l'église dans mon boulot. L'église doit avoir une seule doctrine. C'est-à-dire, si moi, je, exemple, moi, je suis le père, j'ai imposé Dr. Jason le maire. Mais Dr. Jason, c'est le pasteur d'ici. Je ne peux pas venir contredire Jésus dans l'église où il prêche. Pratiquement impossible. C'est-à-dire que si moi je suis papa, j'arrive ici, je trouve Dr. Jason, il croit quelque chose, je dois partager avec lui. Je ne passerai jamais Dieu de la chair pour dire moi comme père, là je me suis détruit moi-même. Donc si je contredis Dr. Jason, je me suis contredit. Si je contredis évangéliste Dali, parce que là je parle de la conduite d'une église locale. Amen. Je ne peux pas dire ici, bon, Dr. Jason, ton ami, j'aime mon rejeté, je ne le ferai jamais. Je dois partager avec lui. Je veux qu'on fasse. Si je ne le fais pas, je le détruis. L'ordre que j'ai établi, je le détruis. Tu vois? L'évangéliste Robert, c'est un aîné, mais il ne peut pas venir ici, bon, Dr. Jason, à partir d'aujourd'hui, on fait comme ça, bon, c'est le désordre. Et là, le rôle, j'ai bien commis papa, j'ai le rôle à la télévision, tiens, c'est le désordre. C'est des ordres. C'est-à-dire, dans l'église comme Pérou, je suis ministre, je suis père, je suis ceci, cela. Mais comme il y a déjà des gens établis, je dois me référer à eux. Je dois partager avec eux. Et même le ministre ne peut pas se contredire. Même si je ne suis pas convaincu sur un point,
je ne passerai jamais du haut de la chair pour troubler le peuple. Les opinions, les apakabou et comamité. C'est-à-dire la façon, par exemple, dans le bas clairement, tous ceux qui ont panier offrande, tous ceux qui ont panier offrande dans Sima. La doctrine les a rompu ça. Mais place à retirer par panier, ce n'est pas la doctrine. Nous, on a trouvé que tout tient car. On va trouver ma tchaka. Ça, c'est maintenant l'opinion. On ne peut pas discuter sur ça. Mais qu'est-ce que la doctrine donnée? On discute si les gens disent qu'on ne veut pas donner, on donne. C'est ça la doctrine. Alors maintenant, l'opinion, une église locale ne peut pas avoir plusieurs opinions. Sinon, ça sera et la main qui zoba zoba. Un champ de plusieurs semences. Impossible. Je vous donne un exemple. L'église de Pérou doit avoir une seule doctrine. Donc, s'il y a des points de divergence, les ministres doivent traiter ça là-bas, non du haut de la chair. Même un prédicateur ne peut pas venir ici pour dire c'est mon opinion. Impossible. Ça va se terminer dans les partages, mais l'église, le lit conjugal doit être exempté de toute union. Donc, ici, c'est la pureté. Ok. Fin de temps, maman d'aîné. Ah, il y a une autre question là-bas. Comme ça, on court vite parce qu'elle est temps. C'est déjà 22h. Ah, ok. Je vais. Rapidement parce que c'est déjà le temps. Ah, merci, mon Sakoli. Ah, on a trois questions. Première question. Vas-y. Ok. La première question est que, des fois, peut-être aussi dans notre travail, dans un chapeau. C'est que je me suis dit, tout le monde, tout ça, là, on a eu. Est-ce que. Sur ça, là, vous avez un chapeau, un frère, mais arrivé que au qui pour savoir adorer ça au fond de ton cœur. Oh, selon la doctrine, il faut le mot chapeau. Hein? Soit tu vous appelles un chapeau en travaillant, vous avez adoré même au fond du cœur. Ah, deuxième question, ça, concernant la doctrine comme enseignement. Est-ce que Nathan Millennium, tu as trouvé la doctrine ou enseignement dans l'état millénaire? Quel enseignement ou doctrine tu trouves qu'on a? Enseignement de Kuna. Ok. Pour l'explication, il y a ma cambo, toujours soigné de ma hop. Ok. Tant que l'église est en levée, est-ce qu'il y a aussi un enseignement ou une doctrine dans les cieux? Là où les anges, oui. Bonsoir, la monnaie. L'évangile, c'est pour nous sauver, c'est pas pour les anges. Frère Jean-Bert, c'est-à-dire que quand on prie, je peux prier dans les consciences. C'est-à-dire, le voit la sœur, mon père est entré, elle s'est baignée dans la douche, elle voit quelque chose au nom de Jésus. Dieu l'exauce, attends la tribalité, c'est la circonstance. Mais quand elle est consciente de prier, elle doit mettre les voiles. Le frère va accéder à dans un chapeau. Jésus, Dieu m'exauce. Mais quand je prends conscience pour la prière, il faut que j'en mette. C'est ça. Il y a la circonstance et aussi la doctrine. Merci. Maman Dédé, et on termine directement chez frère Delton Jamal. Rapidement, parce que c'est déjà 22h. Merci papa pour la parole. J'ai deux petites questions. Allez-y rapidement. Il y a les bossos, nous avons emboîté par les frères Jobin pour les Camonibi à chapeau. Je se retrouvé, ma bien ici quelque part et nabima ina nda pouka bo na kei ezaki kilte mais arrivé là-bas balingi ba bonne là na sa na kitambala que je vais faire comme Sambela. Merci. Yami balé ndé on a posé comme question ngai au dit ko lo bana biso tout de suite là que le vrai jeûne c'est la repentance. Donc même si vous jeûnez 3, 7, 21 jours quoi donc tous ces temps là vous allez les passer par la repentance, c'est ça ma question. Très belle question. Le vrai jeûne, c'est la repentance, Esaïe 58. C'est-à-dire, vrai jeûne, cela veut dire que cette attitude-là, ça veut dire qu'elle a son moment pour que l'esprit croise. C'est une attitude d'humiliation. Quelqu'un a un jeûne, a kabini batukanda, il jeûne, batouille, soit que ça n'a pas de jeûne. Non, non. Le jeûne, c'est l'attitude. Mon jeûne, elle va mettre votre batouille. Non, non. Le jeûne, c'est l'attitude. C'est-à-dire que. Mon corps est mortifié, je mortifie mon corps pour que l'esprit croisse. Donc, ce n'est pas vraiment
Nakatia jeune, je peux faire la demande, je peux faire la repentance, je peux chasser les démons, mais le jeûne, c'est l'attitude de la repentance selon l'enseignement de Dieu. Vous allez vous humilier. Quelqu'un qui jeûne, c'est un homme qui entre dans la repentance, il doit s'humilier. Mais dans la prière, on peut faire n'importe quel sujet de prière. Oui, on termine? Oui, vas-y. Par question sur acte 23:5. Oui. Et je la pose parce qu'il y a des fois, nous, on fait des analyses sur la vie politique du pays. On critique nos présidents, on critique nos dirigeants. Ne les critiquez pas. Ne critiquez pas les chefs. C'est-à-dire qu'il faut prier pour eux. Parce que c'est le Seigneur qui les a établis là. C'est le Seigneur. Il ne faut pas dire, tu sais que tu as appelé. Priez pour lui. Priez pour lui. Oui. Bon, merci papa. Vous avez parlé du pari et la naissance du Christ. C'est un sujet aussi sensible dans l'évangile où nous voyons la pensée comment on peut s'habiller. Elle n'est pas exprimée librement. Il y a des séministes qui font des commentaires, un célibataire peut s'habiller d'une manière et une femme mariée peut s'habiller d'une manière. Mais quand nous regardons les Écritures, quand on parle de filles d'Israël, filles de Jérusalem, on leur dit, rien que par le bout de leurs pieds, on parle déjà de la nudité. Et quand on vient chez Aaron, on trouve que son accoutrement, on papa, parle ben de caleçon. Là, vous enseignez, vous ne posez pas. Sorry. Yeah. Vous répondez à votre propre question. Non, la question c'est seulement, il faut que la lumière soit aussi brûlée sur comment. Merci beaucoup. Question est à Mibali. Le frère Willin tout la demande, le lavement des pieds est-il une doctrine? Si oui, pourquoi on n'observe pas ça dans nos églises? Les églises qui observent le lavage aux pieds les font comme recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas au lavage des pieds ne les pratiquent pas. Mais ceux qui croient à ça, et pratique. J'ai répondu à l'esprit de sa question. Mais s'il posait la question que est-ce qu'on peut pratiquer les lavages au pied, là, je pouvais répondre autrement. Le frère Pierre Lévy demande pourquoi dans Néhémie 8, le sacrificateur Esdras fera la lecture à la porte des eaux. J'ai enseigné ça. Qu'il attende le dimanche. Quand je vais parler de la reconstruction de Jérusalem, je situerai la porte des eaux. Parce que s'il faut parler des portes des eaux, il faut que j'explique la porte des brebis, porte des chevaux, porte d'inspection, porte de veaux. Là, je n'explique pas les portes de Jérusalem maintenant. On termine chez Mike. Hey, papa, Cindy. Hey, papa, je voulais savoir la différence entre doctrine et confession. Je ne sais pas si tu es un pasteur. Tu vois, la doctrine, c'est l'enseignement, c'est l'ensemble des ordonnances données par un maître dans une doctrine, dans un enseignement prescrit. J'ai fait la différence entre les doctrines des hommes et la saine doctrine. J'ai parlé, ce qu'on croit comme doctrine, c'est ça la confession. On vient confesser. Et la question que tu poses là, ils ont par rapport à mon opinion des gens. Je dis que l'Église doit avoir une saine doctrine. Une seule opinion. Papa, pense à un Mike qui a beaucoup souffert. Frère Christian, on t'a dit une question. Je vais en savoir plus
sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la loi. D'autres prédicateurs, d'autres... C'est la loi, Jamal. Donc, c'est... J'ai connu les péchés que par la loi. On termine là-bas, Mike. C'est déjà 22h, on va vous libérer pour la prière. Bon, tous les ans, tout le monde est dans l'église de Saint-Mosso. Emmanuel. Mais quand nous lisons dans les Écritures, on dit Jésus-Christ et on dit Jésus. Mais Emmanuel, là, c'est écrit, définition, il y a un bon mot. Ah, je vois appeler ça une définition. Mais les noms comme Jésus, dévoilés à Jésus, dévoilés à Emmanuel. Oh, bon mot, dont Jésus a annoncé. Il a annoncé. Voilà pourquoi la tournée question, pourquoi seulement la. Une très belle question. C'est-à-dire quoi? Dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 25, verset 5, Dieu parle Abigail. Abigail parle sur le nom. Il est comme son nom. Nabal est son nom parce que dans lui, il y a la folie. Alors, Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Maintenant, Jésus-Christ, c'est Yahshua, le Dieu qui sauve. Alors, dans cette dispensation, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 11, 12, le seul nom qui nous a été donné. Colossiens 3, 17 aussi, dit tout ce que vous allez faire pour s'en accompagner Jésus-Christ. On ne pouvait pas parler, pas même à Jésus-Christ, Emmanuel. Emmanuel, c'est déjà quand Dieu prend le corps, là, c'est Emmanuel. Maintenant, cet Emmanuel-là, le travail qu'il est venu faire, c'est Jésus. Voilà pourquoi on appelle Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Et par quel jour s'il était? Françoise, on ne parle pas. Bon, Pour tout le monde, parce que si vous avez mis ça dans le on doit les libérer dans le monde. Pourquoi nous avons tout le monde? Nous avons rappelé dans tout le monde. Déjà, sur les deux séances, nous avons répondu à ma question. Ma question, il y a la chante. Nous avons clair dans l'assemblée de saints pour nous sommes tous. Moi, si à vous à la chef, il y a ma chante. Chef ten et à ma chante T. Moi si à vous diriger les sous louange T. Que tout tel est autant la louange à tel T. Mais moi si la kati à l'ouye bossima au kambamala moubali à koki koutine la couplé. Moi si à koki kouye ma. C'est à dire quoi? Frère aîné. A-t-il des mots? Serre Vicky Pacoki continue si ma frère René. Et Koki Pérou Salama Kemanze Moussous. Frère René a Koki continue à te. Serre Vicky a continue à me. Y'a moins à la Sima. Y'a frère René Kobanga. Passe y'a mon tozi autorité le voilà au badge. Mais évitez, ce n'a répondre bien. N'a répondre, regarde. Louange, oui. Cantique personnel, les amis. Oh, mais cantique personnel, la CRP chantait, non? Louange, les amis. Louange, non. Louange, non, yes. C'est quand on a toujours bandé à service. Les enfants n'ont pas cantique, tout est dépendant de la capacité. Le président du culte peut donner l'ordre. Chef du chantre, il dit Nana Koye, Misa, Nana Koye, Mate, Nana Koye, adoration. C'est pas mal. On peut donner à une sœur. Merci. C'est pas mal. Papa,
Ayem Bissaté, a-t-il daté? Oh, mais concernant Gaïs Aïd. A-t-il daté? Quelle est la culpité? Batoua Bissala, aïe la Kongote, Batoua Bissala et Mogeni Baramoussala. Aïe la Kongote, tu gagnes la tise. François, on a le nom de Soussou. C'est pas mal. Un saint. Ok. Papa, certains mots, je devrais souvent poser la question selon ce qu'elle a connu. Nous avons déjà répondu. Ok, merci bien. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour sa grâce au milieu de nous? Remercions le Seigneur.